Hey, salut, c'est la revue de presse du Monde Moderne. C'est tous les matins à 9h ou presque. Merci d'être aussi nombreux. N'hésitez pas, bien sûr, à nous suivre dès à présent, à vous abonner. Déjà des cadeaux, merci le Turg. Vous pouvez offrir des abonnements via Prime, vous abonner ici, partager bien sûr le lien de ce stream sur tous vos réseaux sociaux. Il y avait des débats. La musique d'intro, c'est Blackpool. Le titre s'appelle 1er mai. C'est mon groupe, on existe depuis 2006-2008, on a fait quelques tournées, un bel album, vous pouvez nous retrouver sur Deezer et autres, et c'est du punk tout court, évidemment, et c'est, la chanson s'appelle 1er mai, c'est bien sûr sur le 1er mai, le mouvement des travailleurs et le fait qu'il faut arrêter de nous prendre pour des jambons avec... le réchauffement climatique, tout ça. Non, non, c'est la lutte des classes. On va faire ça simple. D'ailleurs, il y en a ce week-end, hein, vous avez vu, j'ai poussé un petit coup de gueule samedi soir parce que bah, j'avais pas la tête à rire. Après ce qui s'est passé un peu partout en Europe, dans le monde, on voit bien, hein, les gens ne veulent pas de cette politique ségrégationniste qui ne marche pas, qui n'a rien de sanitaire. Et ils se font tirer maintenant dans la gueule, à coups de balles réelles, enfin dans les jambes, hein, ça va. La police néerlandaise tire dans les jambes, donc il ne faudrait pas non plus se plaindre, hein, bande d'émeutiers de merde. Et donc, je pense que... Ce qui m'a choqué samedi, en fait, c'est de voir que un pays membre de l'Union européenne demande à sa police, hein, d'être, de tirer simplement dans des manifestants qu'on appelle émeutiers. Et je vois personne d'autres pays de l'Union européenne dire « Ouais, c'est chaud là, coco. tu fais ça au Venezuela, au Chili. Ouais, c'est chaud quand même, tirer à balles réelles sur des gens qui manifestent dans la rue de manière, certes un peu musclée, mais non, rien. Normal. » Ça y est, on est passé dans autre chose. Bienvenue dans le néolibéralisme autoritaire. C'est un truc assez super. D'ailleurs, vous avez la Macronie, hein, qui était en roue libre. Ce mec-là, alors je ne sais pas comment il s'appelle, Gilles Chevalier. Voilà, formidable Gilles Chevalier, macroniste de la première heure. Hein. Message à l'attention des Gilets jaunes et autres fouteurs de merde. Aux Pays-Bas, la police tire à balles réelles sur les émeutiers. Estimez-vous heureux? Il manquait le bande de salopards, mais bon, on va le rajouter. Il est formidable, Gilles. Gilou, après, bon, forcément, on l'a un peu affiché tous sur Twitter en disant « Il est génial, lui !» Et il a dit « Non, mais attendez, j'ai juste dit qu'on avait de la chance en France d'avoir une police qui juste arrache des yeux avec des LBD. Et quoi, je me reçois des connards à deux neurones qui viennent me faire chier sur mon Twitter à moi ?» La beaufitude de La République En Marche affichée au grand jour... C'est juste dégueulasse. Ça en dit long sur comment pensent aussi ces gens-là, hein, le fait que... alors lui, c'est ni France Insoumise, ni FN, hein, mais alors c'est 100% La République En Marche, 100% proto-facho. On aime bien, hein, c'est vrai, on aime bien traiter les manifestants à coups de LBD, à coups de grosses matraques. Il y avait le procès aussi, David Dufresne, on a fait le suivi de ce capitaine CRS qui avait massacré une gilet jaune en la frappant par derrière alors qu'elle avait les mains en l'air et un sac à dos.
Et dans les minutes du procès, le mec dit « Ouais, mais ça, c'est des techniques qu'on connaît, c'est pour nous empêcher d'avancer qu'on met les mains en l'air. Hein. » Donc, vous le savez, si vous mettez les mains en l'air, le CRS, il se dit « Ah non, mais il m'empêche d'avancer, tiens, je vais lui foutre un grand coup dans la gueule. Allô, ça va ? Ça va, les fous ?» Voilà, donc c'était un week-end de folie. On a vu partout... à Bruxelles, des dizaines de milliers de personnes, Zagreb, bien sûr, en Autriche, en Australie, en France, partout, partout, les gens qui sont là pour dire « Arrêtez de nous emmerder avec vos politiques de merde qui marchent pas. » Derrière, ils savent plus comment vendre hein, la troisième dose, personne n'y va trop. Hein. Alors, ils disent « Si, si, c'est super, il faut vite un booster. » J'ai publié une vidéo qui avait été faite par un internaute américain qui explique la longue litanie de mensonges, en fait, du docteur Fauci, de Joe Biden, de tous les mecs qui étaient là pour dire au début « Le vaccin protège, le vaccin t'empêche d'aller à l'hôpital, le vaccin est génial. » Puis petit à petit, « Le vaccin protège des formes graves, le vaccin n'empêche pas d'attraper le virus, le vaccin... » hier, il y avait Perron sur CNews. Alors, c'est CNews qui l'invite, hein, évidemment. C'est pas LCI, c'est pas BFM. Pour expliquer que, appelez ça comme vous voulez, mais un vaccin, c'est quand même un truc qui est censé marcher mieux que ça. Et ça continue encore et encore. Et ils sont empêtrés dans leurs mensonges. Et ça va aller très loin. C'est pour ça que je disais samedi qu'on n'était pas prêts face au déferlement de violence d'État, de la violence officielle, avec des gens comme Monsieur Chevalier qui doivent nous dire « Écoute, sale connard de gueux de merde, estime-toi heureux que t'es encore à manger dans ton assiette et qu'on te demande pas de vendre ton enfant pour un rein. » Ah bon, d'accord, mais pourtant c'est ce qui va se passer avec la dette, non ? Non, c'est toi qui donneras un rein, ton enfant, on verra plus tard. C'est dingue. Oh. Bienvenue, c'est la revue de presse du monde moderne. Je vous parlais de l'AMF, oui, il a critiqué, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. T'as pas le droit de critiquer le roi. Vous avez eu la manifestation des 3 ans des Gilets jaunes avec le camion rose, hein, deux Gilets jaunes arrêtés parce qu'ils avaient fait une caricature hein, où tu voyais Macron qui avait un rapport sexuel avec l'Allemand. Eh bien, ils vont comparaître hein, pour je sais plus quoi, injure des détenteurs de l'autorité publique. C'est une caricature. Allô. Mais il fait pas bon hein, se moquer d'Emmanuel Macron en Macronie. Hein. On voit qu'on est passé à autre chose. On tire à balles réelles, on n'a plus trop le droit de dire du mal du président de la République. C'est pas un roi, hein. Allô, c'est le président. Hein. Généralement, il prend cher, hein. C'est le principe, hein. Ça s'appelle la démocratie. Ah mais allez voir la démocratie, allez voir ce que c'est que la dictature. Ah ben justement, on a vu, merci, on va arrêter là tout de suite, hein. Je vous laisse, salut. Voilà, c'est la revue de presse du monde moderne, on commence tout de suite. N'hésitez pas, bien sûr, à partager le lien de cette revue de presse le plus abondamment possible sur vos réseaux sociaux, à vous mettre nu à votre balcon en hurlant « J'adore les soignants et j'aime la revue de presse du monde moderne ». Vous pouvez aussi hurler dans la rue, dans vos jardins, un peu partout. N'hésitez pas parce que bientôt, on ne pourra plus hurler. Donc, c'est le moment d'en profiter, les gars, faites du bruit. Faites du bruit pour la revue de presse. Elle commence tout de suite avec le canard à nanar. C'est le journal... Non, c'est pas le canard à nanar, remarque le JDD. C'est Bolloré qui va racheter ça, apparemment. Et on commence avec un mensonge, mais oui. Quoi de mieux qu'un bon mensonge d'Olivier Véran pour commencer, hein, repris par le président de la République. Parce qu'un bon mensonge, c'est bien quand en plus le président, il ment en plus que son ministre. Parce que comme ça, on est bien sûr qu'il mente. Hein. Mais alors attention, hein. Heureusement, il y a du fact-checking de tous les côtés. Hein. Moi, je prends que des chiffres vrais de l'adresse. Hein. Je ne vais pas dire des conneries sur des pays. T'as Véran qui très, très doctement te dit l'Autriche et l'Allemagne n'ont pas fait le choix du pass sanitaire et c'est pour ça qu'ils se retrouvent dans la merde. Ah bon ? Eh bien non. Ah non, Olivier. Désolé, Olivier. Mais vous ne repasserez pas en deuxième saison. Ministre une fois, pas deux. Alors, ce qui s'est passé, c'est que l'Autriche a été précurseur du pass sanitaire. Eh oui. Dès le mois de mai. Et puis l'Allemagne, pareil, durant l'été, pass sanitaire. Alors, certains Länder l'ont enlevé parce que les chiffres étaient bons. Mais c'est deux pays qui ont fait appel au pass sanitaire. Alors après, ils ont été un peu moins vénères et violents que la Macronie pour pousser les gens à l'injection. Donc effectivement, ils ont un taux d'injection un peu moindre que l'Union européenne. Mais en même temps, bon, c'est pas ça qui va changer grand-chose. Alors si on nous dit, regardez l'Espagne, ils respectent tout, les gestes barrières, ils sont vaccinés et tout. Mais il fait plus chaud.
Ils vivent plus dehors. Je sais pas comment ça se passe. Peut-être qu'ils ont pas. C'est pas pareil. Ils sont plus loin aussi, comme le virus arrive comme ça par l'est. Tu sais pas. Donc voilà. Bonjour, je suis nouvelle. Comment s'appelle le présentateur? Il s'appelle Alexis Poulain. Bonjour. Il a donc le Monde Moderne. Vous pouvez nous retrouver sur plein de réseaux sociaux. Et attendez, j'avais même mis mon petit nom. Regarde, paf, voilà pour les nouveaux. Paf, qui s'affiche sous le. Regarde, hop, hop, comme ça. Regarde, je peux même le bouger. Hop. C'est moi. C'est beau. Okay. J'adore la technologie. Voilà. Vous pouvez me retrouver sur TikTok, sur Instagram, sur Twitch, sur tous les réseaux sociaux des GAFAM. C'est génial. On adore ça. Vive les GAFAM. Ça nous permet de débunker un peu les mensonges de la Macronie. Vous êtes déjà très nombreux. Bah, tant mieux. Ça veut dire que ça marche, cette revue de presse. J'en suis heureux. J'espère taper les 1000 bientôt parce que c'est important, l'information dans un monde de propagande et de censure. Et ici, bah, on débunk un peu la presse des milliardaires parce que bah, ils racontent pas des conneries, mais ils choisissent quand même hein, d'orienter un peu l'information vers un ou un autre truc. Alors, il y a du pain, il y a des jeux, il y a Emmanuel Macron qui est le meilleur président que la France ait jamais connu, mais quand même, hein, ça suffit pas. On voit bien que les Français sont des gros connards réfractaires qui sont jamais contents, alors que pourtant, merde, hein, on leur file 100 balles hein, parce que ça coûte cher l'énergie. Oh, on enlève les 100 balles. Non, parce qu'il ne faut pas faire l'aumône. Les 100 balles, on ne sait pas si on les verra au final. Il y a eu toute une com pour dire « Allez, on file 100 balles pour qu'ils ne nous fassent pas chier. » Les sénateurs ont dit « Non, c'est quand même pas, ça ne se fait pas, des trucs pareils. » Au final, je pense que les 100 balles, et puis bah, faire chier, bah, les gens font plus chier, en fait. Hein. Tu vois, c'est dès que tu commences une petite émeute, là, petite, hein, tu brûles quoi? Deux poubelles, trois bagnoles de flics, bam! Une balle dans la jambe. Ah, tir de sommation, ça s'appelle. Ah, bon, d'accord. Avec Gilles Chevelet qui te dit, mais c'est bien fait pour ta gueule, gueux de merde, t'avais qu'à pas manifester. Oh là 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 là. Donc, allez, on enlève Zopito, puisqu'il a encore menti. Mais d'ailleurs, je sais pas quand est-ce qu'il ment pas en fait. Et puis, on apprend quand même, on parle souvent d'islamo-gauchisme. Bon, ok, bon, c'est mal, hein, l'islamo-gauchisme, attention, quoi, les mollahs qui s'occupent de la lutte des classes, mais. N'importe quoi, enfin. On parle jamais d'islamo-affairisme. Le fait que les émirs achètent les hommes politiques ou qui travaillent main dans la main avec nos oligarques, en voilà pour preuve des anniversaires incroyables. Mais qu'est-ce qu'ils viennent faire leur anniversaire à Paris? Bon, il faut savoir que ce soit le Qatar, les Émirats, l'Arabie Saoudite, ils ont acheté une grande partie de Paris, le 8e, le 16e, ils ont privatisé des quartiers entiers. En fait, c'est eux qui sont propriétaires. Parce qu'ils savent très bien qu'à un moment, leur pays, avec le réchauffement climatique, tout ça, si jamais ça arrive, c'est invivable. Et puis des fois, quand tu veux t'amuser, tu viens à Paris, t'es peinard. Donc, ils ont acheté pour des milliards de brousouf, hein, puisque pour eux, c'est voilà, toi, ils jouent vraiment au Monopoly, donc ils s'achètent avenue de Courcelles, machin, etc. Et là, t'apprends que pour célébrer le cinquantenaire des Émirats Arabes Unis, l'ambassade émiratie à Paris privatise le 25 novembre le palais Brongniart, rien que ça, qui est l'ancien siège de la bourse, hein, qui maintenant est un site de réception. Donc voilà, hop, allez, hop, on se fait la teuf, c'est les 50 ans. Pourquoi il fait de ça à Paris? Tu sais pas, c'est juste pour faire la teuf, pour inviter. Là, tu vas y aller, tu vas voir la belle brochette d'islamo-affairistes, hein, qui derrière, après, passent leur temps sur les plateaux de télé à dire ah, l'islam, c'est mal, hein, attention. Hein. Enfin, ça dépend du compte en banque de l'islamiste, hein. Attention. Ah bah non, mais s'il n'est pas islamiste, monsieur, c'est un émir, ça n'a rien à voir, enfin, c'est pas un arabe. Ah bon? Bah quand même, dis-moi, la charia, tout ça. Mais non, mais la charia, mais c'est une petite charia, c'est une charia de rien du tout, vous savez, c'est la loi là-bas, c'est comme ça. Hein. Enlève ton voile, toi, salope. Mais non, ça marche pas comme ça, monsieur. Mais si, ça marche comme ça, taisez-vous. Non, je n'ai pas pris tout cet bon argent de l'émir. Si, si, rends l'argent. Et alors, t'as pas que ça. Bien sûr Blast qui parle des Qatar Papers, hein, où vous retrouvez BHL, Carla Bruni, Nicolas Sarkozy, toute la Sarkozy. Et là, donc, vous avez d'un côté les Émirats Arabes Unis qui font la fête au Palais Brongniart. Alors, t'as de l'autre côté le Qatar, hein, qui s'est dit non, 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 faut pas déconner. Le 8 décembre, on fait la fête au Petit Palais pour les 50 ans de l'accession au trône du cheikh Jassim bin Mohamed bin Thani. Faut pas déconner, hein. Paris, c'est une fête
pour les Émiratis, pour les Parisiens qui travaillent dans le social, à l'hôpital ou ailleurs, c'est un peu moins la teuf. Mais pour les Émiratis, c'est vraiment leur ville de préférence. Hein. T'as toutes les boutiques, LVMH, tout qui est bien. Les gens sont sympas. Les politiques, tu les achètes super facile. Ils sont gentils avec toi. De temps en temps, bon, ils tapent un peu sur l'islam, tout ça. Mais bon, c'est pas grave. On n'est pas très regardant, vous savez, ça va. Ils sont pas méchants. Donc voilà, l'islamo-affairisme, ce cancer qui gangrène la République française, on n'en parle pas assez souvent, mais quand même, c'est important. Puis on aime bien vendre des rafales, on aime bien vendre des systèmes d'armement pointus aussi à ces pays-là. Et puis après, taper, hein, il en restera toujours quelque chose. C'est vraiment un cirque triste, la gonzo-politique, mais c'est comme ça. Non, bah pourquoi ? Tu sais, mais les mecs, ils viennent fêter leurs 50 ans à Paris. Tu dis, bah ouais, pourquoi pas ? Tiens, et si on allait fêter les 100 ans du drapeau bleu, blanc, rouge ? Non ? Non ? La déclaration universelle des... Non ? Non plus. Ah là là, retour Covid, on fait des allers-retours, vous allez voir, droit de l'homme, Covid, c'est droit des animaux, c'est formidable cette revue de presse. Alors là, on retrouve Vittoria Colizia, directrice de recherche à l'INSERM, qui a pris beaucoup d'argent apparemment de quelques fondations pour dire que le vaccin c'est super. Et là, il faut vite un booster pour tous. Et tu dis, bah pourquoi Vittoria ? Bah parce qu'il faut, bah parce que y a pas de questions à poser. Hein. Alors souvent, les mecs te disent, il n'y a pas de questions à poser. Là, tu dis qu'il y a un truc. Hein. Alors elle est épidémiologiste, hein, et donc elle se dit que l'injection supplémentaire pourrait limiter la circulation du virus. Pourrait. Il n'y a plus que du conditionnel, hein, mais c'est la science. Et puis on te dit, il ne faut pas poser de questions. Mais quand même, la question que quand même le JDD pose, avec 87% des plus de 12 ans vaccinés, a-t-on atteint un plafond de verre ? Tu te dis là, 87% quand même, c'est énorme. Hein. Tous les gens, ils ont leur deuxième piqûre, ils vont avoir leur troisième sans doute pour les plus craintifs, mais qu'est-ce qui va se passer ? Le problème, c'est qu'on ne sait pas s'il s'agit d'irréductibles opposants, s'ils procrastinent, s'ils n'ont pas accès au vaccin. Hein, elle parle là des 13% restants qui ne veulent pas la piqûre. Il faut aller chercher cette part de la population qui demeure non immunisée avec un risque d'hospitalisation et qui fait circuler le virus. Alors certains hein, qui n'ont pas la piqûre, c'est parce qu'ils ont eu le Covid, qu'ils sont immunisés ou simplement qui pensent que l'immunité naturelle va suffire. C'est pas eux qui font circuler le virus, puisqu'il faut rappeler encore et encore à ces épidémiologistes pourtant chevronnés que même vaccinés, on refile la ch'touille à tout le monde à peu près. Alors un peu moins peut-être, mais même pas. Il y a des études qui disent que dans le nez, t'as à peu près la même charge virale qu'un non vacciné. Donc calmos les gars, il y a des études qui sont sorties dans The Lancet aussi pour dire qu'il faut arrêter de stigmatiser les non vaccinés puisque les vaccinés traballent autant la ch'touille que les autres. Mais c'est pas grave, en France on est à l'heure d'été, hein, donc Vittoria Colizia, faut pas déconner, hein, il faut picouser. Il faut aller les chercher, hein, tous ceux qui veulent pas la piqûre. Alors il se dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire ? Bon, même si on en atteint qu'une fraction, ça peut avoir un impact. Hein. Des fois qu'on en chope comme ça, c'est toujours un petit impact. Hein, on se dit, tiens, ça en fait toujours un de plus qui s'est fait mettre un truc dans le bras, c'est toujours ça. Alors, car si l'efficacité vaccinale est très élevée contre les formes graves, elle n'est pas de 100%. Ah oui, ben non. Puis on voit bien d'ailleurs, la courbe s'est inversée. Ça y est, il y a plus de vaccinés à l'hosto que de non-vaccinés. Mais ça, c'est parce qu'il y a plus de vaccinés. Bon. Avec un très grand nombre de personnes infectées, mathématiquement, on déplorera plus d'hospitalisations. Bah oui, si tout le monde est vacciné, on pourra pas dire que le vaccin marche moins bien que si t'es pas vacciné. Comme ça, on pourra pas avoir une population test, tu vois, de non-vaccinés, en dire bah pourquoi ça se passe bien ? Ah non, ils ont pas pris l'abonnement Pfizer. Ah bon ? Oui, vous savez, c'est tous les ans deux piqûres ou rien. Ou sinon tu meurs. Ah bon ? Ah oui, maintenant c'est comme ça. Hein. Ah bon ? Bah dites donc, c'est compliqué la vie. Hein. Excusez-moi, je pète un peu un cap parce que c'est à un tel niveau de folie, en fait. C'est pas... Waouh, 660, eh ben les gars, vous déchirez tout. Hein. On continue comme ça, n'hésitez pas à vous abonner comme Vanouche007 qui vient de renouveler son abonnement. Ça fait 3 mois d'abonnement, certains sont là depuis le début. 7 mois d'abonnement, certains viennent de s'abonner, certains nous suivent. Vous pouvez aussi nous suivre sur Patreon, n'hésitez pas. Et voilà.
Qu'est-ce que je dis? Je lis le chat, c'est pour ça que je fais une petite pause. En Guadeloupe, ils se battent bien sûr pour les droits simplement fondamentaux, de dire vous n'avez pas à suspendre des soignants qui ont refusé la vaccination alors qu'ils se testaient. Il faut les réintégrer. Vous n'avez pas le droit de traiter les gens de cette façon-là alors qu'on n'a même pas d'eau potable, putain. Et là, t'as Gérald qui dit on sera très dur, hein, on sera intraitable. On envoie le GIGN et le RAID. Des fois que ça déconne. C'était mon édito sur RT France ce matin, si vous voulez le retrouver, sur la Guadeloupe, justement, pour expliquer qu'il y a la stratégie du pourrissement, de la division, c'est la stratégie Macron, et derrière, plutôt que d'écouter, hein, c'est 5 ans d'écoute, hein, 5 ans de plus de pendant ta gueule, non, on envoie la troupe, on envoie les pacificateurs, hein, c'est Hunger Games, hein, on n'en est pas très très loin. La maison commune, qu'est-ce que c'est que ça? Vous savez, c'est comme La République En Marche, c'est une marque qui fait fuir les consommateurs. Merci Hugo 779 pour l'abonnement. N'hésitez pas, vous pouvez vous abonner ici ou bien sur Patreon, nous soutenir parce qu'on a besoin de vous, bien sûr. Hop, je mets le petit truc pour faire plus de contenu parce que je trouve qu'elle est bien cette revue de presse, mais... J'aimerais qu'il y ait plus d'articles sur le site du Monde Moderne qui est en ce moment un peu mou. On a aussi les podcasts, hein, La Grosse Sélection, Crime sous Cric et plein d'autres choses pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Et on est sur YouTube, sur Facebook, un peu partout, Le Monde Moderne. Voilà, vous pouvez nous trouver. Vous savez qu'ici, c'est un oasis, hein, une petite havre de paix où on parle librement et où on se dit « Ah putain, c'est quand même n'importe quoi ce qui se passe, la vache !» Voilà. Merci de vous être abonné ce week-end. Merci à tous nos sponsors sur Patreon. Ils se reconnaîtront. Et merci à tous ceux qui vont bientôt commander un élastique à chibre ou une mug pour Noël. Ça nous fait chaud au cœur de savoir qu'il y a une telle grande famille du Monde Moderne qui est en train de se créer. Les blindés sont arrivés, c'est vrai. Ils ont déjà pris des tirs de fusil. Ah bah génial. Et ils apprennent à prendre les armes. Non mais ça va mal se passer, vous savez, si on fait ça. Ils vont être sauvages. Je le dis, hein, parce que je pense que ça peut très mal se passer en Guadeloupe, j'ai peur. Oh. En même temps, il y a eu des appels à la grève générale. C'est ce qui s'était passé en 2009. À l'époque, c'était Michel Alliot-Marie qui était ministre avec Yves Jégo. 4 semaines de grève. Je pense qu'ils peuvent refaire la même. Il n'y a aucun problème. Et d'ailleurs, c'est ce qui fout les jetons ici, parce que la métropole sait très bien que en Guadeloupe, c'est pas comme ici. Hein. Les mecs, quand ils disent on fait la grève, ils font la grève. Il y a des vrais syndicats, les mecs ils sont mobilisés. Après le soir, ils ont pillé les boutiques pour aller se refiler un peu à manger. T'as aussi une boutique LVMH qui a été pillée, je sais plus où, aux States. Tu vois les mecs courir comme ça avec toutes les fringues pourries là dans les mains. Tu dis, oh les gars, il y a mieux à faire que dévaliser une boutique de fringues pourries. Non, mais non, LVMH. Tu vois comme quoi la marque, c'est encore. T'es encore capable de te faire avoir par le luxe, quoi. Qui est la dernière arnaque de la chaîne de Ponzi capitaliste, hein, le luxe. Alors non, mais il y a des savoir-faire, il y a des métiers, mais après, bon, oui, c'est vrai que... Quoi, cette pièce de tissu vaut 800 000 euros? Non. Il y a des bouteilles de vin qui se sont vendues 800 000 euros ce week-end, c'était la vente aux enchères des Hospices de Beaune. Record battu, la dernière plus chère bouteille qui s'était vendue aux Hospices de Beaune, c'était 600 000 euros. Alors c'est du vin de Bourgogne, hein, je viens de là, c'est bon, mais 800 000 euros une bouteille, les gars, redescendez. Hein. Si vous savez pas quoi faire de votre thune, abonnez-vous au Monde Moderne, hein, ou je sais pas, aidez-nous. Nous, on a besoin d'oligarques, hein, qui nous financeraient pour avoir un hebdomadaire en kiosque, par exemple, de genre de conneries. Mais 800 000 balles, une bouteille de vin, t'as des mecs qui sont au RSA, hein, allô? Mais c'est pas grave, c'est, on te dit que t'as le droit d'être un winner. Et alors les winners, donc on va en parler, puisque la maison commune, c'est le prochain parti d'Emmanuel Macron, le meilleur président que la France ait connu. Que les Français sont méchants, mais les Français, mais qu'ils ont la chance de l'avoir eu. Et donc, comme la REM, plus personne n'en veut, parce que même quand tu te présentes à une élection avec une étiquette la REM, tu sais que au mieux tu fais 12 voix, au pire tu te reçois des œufs et des tomates dans la gueule. Donc là, ils ont trouvé un truc, ça s'appelle la maison commune. Alors, ça va être lancé dans 10 jours. Dans 10 jours, c'est la fête. Hein. Alors là, ils ont fait un casting d'enfer. T'as François Bayrou, Jean Castex, Richard Ferrand et Édouard Philippe qui vont être les coprésidents du Bousin.
Alors là, tu te dis, bon, bah, François Bayrou, des affaires au cul. Jean Castex, pas si, un peu, je sais pas. Richard Ferrand, des affaires au cul. Édouard Philippe, bah, perquisitionné, etc. On attend de savoir que c'était quoi le bordel, la crise du Covid. Alors, les plans du chantier se précisent, hein, mais tous les architectes ne sont pas encore convaincus. La maison commune, ces structures censées rassembler toutes les composantes de la majorité présidentielle, devraient voir le jour la semaine du 29 novembre, lors d'un événement à la maison de la Mutualité à Paris. Ce jour-là seront dévoilées les fondations de l'association politique dirigée par le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, celui du MoDem, François Bayrou, le premier ministre, Jean Castex, et son prédécesseur à Matignon, Édouard Philippe. Ça, c'est les poids lourds. Hein. C'est vraiment là, on a affaire à des hommes d'État. Hein. On a affaire à des grands fauves, là. Attention, hein, c'est pas la SPA. Hein. Du moins pour l'heure. Hein. Voilà, ça s'appelle Ensemble citoyen. Non, il ne sait pas. Car l'appellation, comme ses principes de fonctionnement, fait encore débat. Aïe, 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 aïe. Alors, Ensemble citoyen, c'est vrai que ça fait un peu. On n'y croit pas, en fait. Parce que vous êtes. C'est pas les citoyens, là. On parle d'apparatchiks qui ne savent pas comment ils vont faire pour continuer à avoir des postes payés par les impôts pour maltraiter les citoyens qui les payent. Alors, ben, donc, du coup, la maison commune. Certains différends ont été aplanis hein, mercredi soir à l'hôtel de Lassay, autour de Ferrand et Bayrou, 10 cadres de La République En Marche. Il y avait Stan Guérini, Marie Guévenoux, une femme, étonnant, ça alors, Christophe Castaner, ça on ne le présente plus, hein, François Patriat, le sénateur LaREM qui parle comme plop-plop, Marc Fesneau, le ministre qui ressemble à un présentateur de M6, Patrick Mignola, et puis Édouard Philippe, Christophe Béchu, et Pierre-Yves Bourou-Nazel et Olivier Becht. Voilà, je ne sais pas qui c'est lui, mais il était là. La date de lancement a été revue. Hein. Celle du 28 novembre, initialement évoquée, tombait le jour de l'anniversaire d'Édouard Philippe. Qu'est-ce que c'est qui... C'est un traquenard. Alors, il n'avait pas prévu d'être à Paris, vu que c'était son anniversaire, donc il fallait éviter les mauvaises manières hein, pour préserver les égos. La maison commune ne sera ni le vaste pôle centriste chez Rabayrou, ni une simple étiquette partagée qui avait la préférence de Horizon, hein, le parti de Philippe qui n'existe pas encore vraiment. Tu peux payer 30 balles pour être membre du parti d'Édouard Philippe. Là, ça y est, c'est parti, il a lancé les souscriptions. Bah, le Monde Moderne, tu peux payer 5 balles par mois pour être membre de la grande famille du Monde Moderne ou t'abonner via Twitch et tu rigoles plus quand même. Et idéalement, je pense qu'on sera plus nombreux à terme hein, que n'importe quel parti politique si on continue à faire ce bon boulot. L'adhésion directe, encore en suspens hein, parce qu'ils se disent non, chacun reste chez lui et la maison commune, c'est l'esbrouf qu'on va vendre aux médias et aux Français pour dire on est tous ensemble. Alors qu'ils se battent en fait entre l'entrée au foie gras et le dessert 4 saisons machin pour savoir qui va avoir combien de députés hein, une fois que Macron va être élu, parce que dans leur tête Macron va être élu hein. Ah ouais, si vous n'êtes pas au courant je vous le dis hein, Macron va être élu hein, c'est comme ça que c'est écrit hein. Et si c'est pas lui, parce qu'il va faire des choses très graves, bon, il n'y aura pas d'élection tout simplement. Ou au pire, on ressort Philippe, on dit écoute Edouard, je sais, t'avais prévu 2027, il va falloir faire plus vite, là, la maison brûle, hein. La maison commune brûle, hein. Il faut y aller. Hein. C'est dingue. Et donc, ouais, en fait, dès que t'as, bah, c'est comme les boîtes, hein. Dès que t'as une grosse crise de nom, de confiance, tu vois, un accident industriel, tu changes de nom. Areva, Orano. La République En Marche, la maison commune. C'est comme ça que ça marche. Merci. Skoknitwat, Tatot, j'arrive pas à lire vos pseudos, je suis désolé. Et Freebird aussi, merci, 2 mois d'abonnement. Merci à vous tous d'être aussi nombreux dans cette maison commune qui est le monde moderne. Maison moderne, hein, on a vu sur l'effondrement. Ici, vous voyez, alors là, on voit que bah, la confiance politique s'est effondrée. Là, on voit, bah, vous voyez, ah, là, en cours d'effondrement, l'hôpital public. Là-bas, la confiance s'est effondrée. Ah, la monnaie n'est pas loin de s'effondrer. Heureusement, Christine Lagarde, regardez, la tient avec ses petits bras. Ça va tenir encore un peu. La société civile, oui, il n'y a pas encore trop d'émeutes, ça va. C'est une belle maison. On a construit en dur un espèce de bunker pour regarder le monde tomber en rigolant. Parce que sinon, ce serait triste. Tiens, en parlant de faillite et d'effondrement, un général tortionnaire qui veut diriger Interpol. Mais non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh oui, c'est encore dans le JDD. Les mecs, c'est pas moi qui l'invente. Hein. C'est vraiment, c'est que ça marche comme ça, le monde. La société de la maltraitance. Yeah.
C'est après, tu comprends pas. Moi, j'ai jamais compris. Tu vois, les gens vont au boulot, ils disent merci patron et tout. Ils prennent leur petit salaire de misère. Après, on les met au chômage. Hein, tu comprends, on doit, tu sais, tu comprends, c'est compliqué. Hein, n'oublie pas ton masque. Merci. Et ça, allez, casse-toi, connard. Merci. Et le mec s'en va en disant merci quand même, quoi. Ça tient. Ça tient pourquoi? Parce que les humains sont plutôt des êtres de bonne volonté, pacifistes, tu vois, qui n'aiment pas les emmerdes, qui n'aiment pas la confrontation. Donc ça marche. Donc voilà, c'est un peu comme ça. Et là, ils se disent, bon, bah écoute, on a trouvé un mec là pour Interpol, un gars en or, Ahmed Nasser Al-Raissi, qui est un haut cadre du ministère de l'Intérieur des Émirats Arabes Unis, hein, qui file de la thune. Alors, combien? Alors, pourquoi? Mais pourquoi? Mais oui, pourquoi ce serait lui qui serait à la tête d'Interpol? Ah ben oui, en fait, il y a une donation record de 50 millions d'euros versée en 2017 par Abu Dhabi à Interpol. Ah oui, mais les droits de l'homme, 50 millions d'euros. 50 millions d'euros. Bah oui, oui, évidemment, 50 millions d'euros. Alors du coup, bah, tout le monde ferme sa gueule. Et c'est un général tortionnaire, alors qu'il est lui, il a un peu maltraité quelques blogueurs hein, qui essayaient de prendre position pour la liberté d'expression, tout simplement, hein, dans l'émirat. Bon, après, il a fait Cambridge, hein, tout ça, la London Metropolitan University, Coventry. Il a fait des diplômes de management à droite, à gauche, 40 ans dans la police. Enfin, le mec, c'est un gars en or, hein, je vous le dis. Hein. Bon, après, il torture un peu les blogueurs qui disent du mal du roi, tout ça. Mais bon, faut pas dire du mal du roi, ni du président Macron, que j'adore, qu'il est le meilleur président que la France ait connu. Et donc, 50 millions d'euros, ferme ta gueule, tu prends le général tortionnaire, merci, au revoir. Et ça marche comme ça, c'est formidable. Droits de l'homme, 50 millions. 50 millions. Ah ouais, on va pas non plus s'embarrasser avec des trucs, ça rapporte pas une thune, les droits de l'homme. C'est chiant. T'as que des gens qui sont là, qui font des... Ah mais quand même, qu'est-ce que vous vous rendez compte? Mais ta gueule. Tiens, 50 millions d'euros. Ah oui, je comprends. Oui, bah, non, mais vous comprenez, c'est un émirat éclairé. Hein, il faut aller doucement. C'est des gens déjà. Il y a une grande ouverture hein, de la société civile déjà au sein de ce qui se passe là-bas. Hein, c'est normal. Ah oui, c'est comme ça que ça marche. 100 millions, mais même pas un 50 millions. Mais un Sarko, tu l'achètes à 15 millions. Une campagne présidentielle, c'est 21 millions d'euros. C'est autour de 20 millions d'euros. Il faut cramer 20 millions d'euros en 6 mois, 3 mois, pour dire hey, « votez pour moi, ça va marcher ». 20 millions d'euros qui partent comme ça en fumée, littéralement. C'est des affiches qui sont déchirées dans la rue, c'est des tracts que personne ne lit, c'est des salles de spectacle qui sont bookées, remplies, en disant « ouais, c'est super !» C'est des mecs qui sont payés pour faire de la pub sur les réseaux sociaux ou sur les plateaux télé. 20 millions d'euros, t'es un chèque. T'es moi Marc Kadhafi, par exemple, ou t'es n'importe qui, tu dis « bon !» C'est qui l'acteur là qui a le plus de chances d'être que les Françaises ils aiment bien? Actuellement, président, actuellement, émir, actuellement, votre Altesse, je crois qu'on peut acheter pour pas très cher monsieur machin. Ah, monsieur machin, tiens. 15 millions. Hop, allez. Et puis si jamais ça marche pas, tu fais des petites vidéos hein, de Golden Shower, des trucs comme ça. Ça marche très bien aussi, le compromat. Enfin, voilà, c'est quand même c'est des trucs assez géniaux. Bah, oui, 50 millions d'euros, tu fais rien. Par contre, tu fous ton général tortionnaire à la tête d'Interpol. Et comme ça, personne t'emmerde. Avant, il y avait un Chinois à la tête d'Interpol. Il a disparu. Il a été enlevé par les Chinois. Interpol, c'est quand même... Faudrait s'y intéresser de près. J'ai l'impression que c'est un peu dysfonctionnel quand même. Comme le reste, hein, d'ailleurs. C'est pas pourquoi ça marcherait là alors que c'est n'importe quoi partout ailleurs. Donc voilà, on souhaite la bienvenue au général. Hein. Super, ça va être, on va bien se marrer. Allez, les affaires sérieuses. Je crois que là, c'est le Figaro. Hein. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Regardez, qui c'est? C'est Tintin? C'est... Non, attendez, c'est Spirou. Non, c'est Emmanuel Macron, je suis bête. Mais avec le masque, on le reconnaît plus. Et puis maintenant qu'il a les cheveux roux aussi, c'est compliqué. Donc là, c'est Emmanuel Macron qui remet son costume, qui sort de sa berline avec son petit masque noir. Qui va en campagne, et oui, c'est le candidat en campagne. On ne l'arrête plus, hein. Évidemment, on n'a pas le droit de le dire qu'il est en campagne, mais quand même. Et là, c'est entre inquiétude et joie, parce que le Covid repart. Alors, pour l'exécutif, c'est assez génial que le Covid reparte. Tu vas dire, ah bon, je pensais qu'on va dire qu'ils ont fait une gestion de merde. Non, c'est pas de leur faute, c'est le virus qui est très très malin.
eux, ils ont tout fait de bien malin, tout. Hein, le pass sanitaire, les confinements, les couvre-feux, l'auto-attestation, le masque sur les rues paires et impaires, les vaccins, hein, trois doses ou rien. Mais le virus, il est vraiment très malin. Hein. C'est pas de leur faute à eux, quoi. Et donc là, attentif, sans être soumis aux alertes des Cassandres, le palais, l'Élysée donc, se félicite de voir augmenter les prises de rendez-vous pour l'injection de la dose de rappel, tandis que les contrôles du pass sanitaire sont amenés à être plus soutenus. Bonjour, monsieur, dame. Bonjour, monsieur l'agent. On a vérifié vos passes. Ah, je l'ai mangé. Ah ben non, mais il faut pas le manger, monsieur, votre passe. C'est... Vous en avez besoin pour venir manger ici. Oui, mais je l'ai mangé, en fait. J'en ai ras le cul de ton passe. Je l'ai mangé. Mais j'ai fait ma troisième dose, hein. Promis, hein. Regarde, j'ai encore le bras enflé, regarde. Ouh, la folie que c'est pas, putain. Ils savent plus quoi faire. Mais l'avantage, c'est qu'on les regarde en disant « Mais ils ont fait de la merde, là ?» Non, 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 ils ont tout bien fait. C'est le virus qui est très malin, tu comprends rien. Écoute, là, ils vont encore bien faire. Ah, mais non, ils vont. Non, j'ai pas envie qu'ils me réenferment. Si, si, tu... mais toi, tu as besoin d'être enfermé de toute façon. Ça te permet de réfléchir au monde d'après. Hein, mais le monde d'après, ça y est, on y est. C'est le masque, les gestes barrières, la picouse, les flics à chaque coin de rue. C'est... Ça y est, on y est. Hein, non, c'est pas ça le monde d'après. Non, ah bon. Je pensais, moi je voyais un truc avec des jumbés partout, des fumeurs de baboulins, comme on dit quand on est, quand on est préfet. Hein. La bamboche. Quand on est un peu préfet et acte de droite. Donc là, non, ils sont contents. On fait toujours le choix de la confiance et de la responsabilité des Français, résume l'entourage du chef de l'État. Ah ouais? Ah bah dis donc, bah c'est pour ça que tu leur tords le bras comme ça pour avec un passe qu'ils aillent se faire vacciner. C'est ce que t'appelles la conscience et la responsabilité? Le choix de la confiance et de la responsabilité. J'appelle ça, moi, quand même de l'extorsion, mais c'est ok, chacun son truc. En disant que c'est une ligne qui lui a été plutôt bénéfique politiquement. Hein. Aux Français qui craignent le confinement, le gouvernement loue le pass sanitaire qu'il présente comme la meilleure des parades. D'ailleurs, à tel point que Olivier Véran, en intro de la revue de presse, mentait en disant que ni l'Autriche ni l'Allemagne n'avaient fait le choix du pass sanitaire. C'est faux. Ces pays-là qui sont dans la merde actuellement ont fait le choix du pass sanitaire. Ça marche pas. Ça marche pas. Mais si ça marche, t'as pas le droit de dire ça. Mais moi, je veux bien. Hein. J'aimerais que tout marche. J'aimerais qu'on en sorte de ce truc-là, qu'on n'en parle plus. Ça marche pas. J'y peux rien. C'est pas grave. C'est comme ça. Arrêtez de faire chier les gens maintenant, il va falloir trouver un truc où, tu vois, un modus operandi où chacun se met dans un coin. C'est une incitation quasiment armée. La Guadeloupe est une zone de non-droit. Non, non, non. Marbasta, bah, 200 grammes de poulet. Ouais, ça, j'ai vu ça. C'est, on en avait parlé, c'était le droit à polluer que tu vas avoir dans le futur. Attention, sale pauvre. Déjà, t'as de la chance de pouvoir manger du poulet, alors ferme ta gueule. C'est pas du poulet, j'ai bien vu que c'était du soja avec un goût poulet. Hein. Tais-toi, t'as pas le droit de le dire. C'est pas du soja en plus. Ah bon, c'est quoi? Véran aussi dit que le vaccin n'était... Mais oui, parce qu'il n'est plus en phase expérimentale. Non, non, il est encore en phase de... Alors, ils ont dit, hein, on a fait les... Maintenant, on va voir les trucs. Comme aux États-Unis, là, ils sont en train de vacciner les gosses dès 5 ans. Ils trouvent encourageant qu'il n'y ait pas eu de problème cardiaque. Et apparemment, comme Pfizer a changé la formule pour mettre des trucs pour éviter qu'il y ait trop... Ça marche bien. Après, pour le virus, on ne sait pas. Mais pour les problèmes cardiaques, on dit « Ah, on pique les gosses, c'est cool, ils font pas de crise cardiaque. » Oui, mais pour le virus. Oh bah, et comme d'habitude, hein, ils le chopent, ils sont asymptomatiques, ils leur filent, mais c'est pas le but du vaccin. De... Ah bah si, si, quand même. Ah bon ? Merde, bah, fallait me le dire, hein, je suis pas médecin, moi. Donc non, Macron est très content, hein, ça lui permet de reprendre la main. Alors le pass sanitaire, c'est donc la meilleure de nos parades pour éviter d'être confiné avant Noël. Hein, il faut sauver Noël, là ça va être, vous allez voir là, Gabriel Attal a dit que l'épidémie repart de manière fulgurante une semaine avant, il disait tout est sous contrôle. Et en même temps, il te dit c'est sous contrôle, mais en même temps c'est fulgurant. Ah, tu dis, bon, écoute, tu sais, je vais gagner du temps, je vais arrêter de t'écouter, on va arrêter de t'inviter aussi pour raconter des conneries, Gabriel. Hein. Ce que je te propose, c'est que tu te concentres sur la campagne présidentielle de ton candidat, que tu arrêtes de dire de la merde, hein, aux Français, puis ça ira bien. Voilà. Mais c'est en toute amitié, hein, vraiment. C'est juste que chacun gagne du temps, en fait. Voilà, on a autre chose à foutre. Hein. Merci. Il n'empêche, chaque prise de parole gouvernementale nourrit les interprétations des internautes. Sans blague.
Les déclarations de Gabriel Attal, il y a 10 jours, hein, qui n'a pas exclu par principe l'hypothèse d'un confinement, dont il n'est pourtant absolument pas question aujourd'hui. Voilà, ça c'est dans l'article, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est même les journalistes te disent de la presse écrite, ils te disent c'est quoi ce bordel. Donc voilà. Alors Véronique Reissoud, qui analyse les réseaux sociaux pour Backbone Consulting, a dénombré 2,2 millions de messages la semaine dernière en France sur le Covid, le vaccin et le pass sanitaire. L'inquiétude monte. Eh oui, 80% de messages en plus sur l'hypothèse d'un confinement et 70% sur le couvre-feu. C'est comme ça, en fait, qui gère la température de l'eau. Donc, si là, on faisait des messages sur la choucroute ou la fondue, on pourrait peut-être avoir un débat sur les Français sont-ils plutôt choucroute ou fondue plutôt que passe sanitaire ou couvre-feu, quoi, tu vois. Donc, il suffit de faire 2 millions de tweets sur la choucroute ou la fondue ou la raclette. Hein, si vous êtes raclette, n'hésitez pas. Pour qu'on lance le débat du pass choucroute. Si la reprise de l'épidémie modifie l'horizon de l'exécutif, il pourrait malgré tout en tirer profit. Ah bon, comment ? Ah bah oui, à tout prendre, même s'il est plus compliqué de parler de France 2030, hein, le plan pour tout numériser, pour donner de la thune à ceux qui ont de la thune, pour que les chômeurs ils aient plus de chômeurs, voilà. La question du pouvoir d'achat, autrement plus dangereuse que la gestion de l'épidémie, s'éloigne. Ce qui n'est pas une mauvaise chose pour lui. Eh oui, quand tu veux enfermer les Français comme des lapins entre deux phares, entre d'un côté, attention, fasciste Zemmour, attention, Covid, danger, et que tu parles plus du tout de la lutte des classes, du pouvoir d'achat, de la politique antisociale d'Emmanuel Macron, du bordel que c'est devenu la France, du chômage qui fait que monter, même si les chiffres sont bons, vous allez voir, on en parle tout à l'heure. Ben, le Français, il est coincé dans un mini-monde. C'est pas le métavers, c'est le mini-vers. Était coincé, ça s'appelle le rétrécissement du champ du débat public, entre d'un côté tu parles que de Covid, de l'autre tu parles que de Zemmour. Et là t'as Macron qui arrive qui fait « Salut les cons !» Oublie pas ton masque toi, parce que vous allez voir, il a un peu de problème quoi. Voilà, et alors du coup, Frédéric Dabi, conseiller de l'exécutif, hein, j'étais avec lui en débat sur Sud Radio, tu sens qu'il conseille bien l'exécutif, hein, il se dit assez surpris par le peu d'intérêt de l'opposition sur la gestion de la cinquième vague. Et dit « Tous les yeux sont rivés vers nous, ça remet l'État, le gouvernement et les acteurs publics au centre du jeu. » Voilà. Donc ils sont contents parce qu'on se dit « Ils vont nous sauver, les mêmes qu'on fait de la merde depuis 2 ans. » Bon, tu dis « Non, bah non, en fait, attends, t'es pas normal dans ta tête, t'es pas comme couscous ou tagine. » On peut faire un gros débat. Couscous, tagine, choucroute, cassoulet, raclette, poté. Pas oublier la potée non plus, tête de veau, et puis des plats végétariens également. Hein. Donc voilà. Mais les mecs sont contents, crustacés, évidemment. Merci Grâce Blabla, merci Red Wonder de vos abonnements. Vous êtes de plus en plus nombreux, hein, à vous abonner, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Je vous en remercie. On est très nombreux ce matin et je crois que c'est en train de marcher cette revue de presse du tonnerre. Je trouve ça génial. Franchement, que Twitch nous permette une chose pareille. Je tiens à remercier chaleureusement Jeff Bezos pour avoir racheté Twitch, hein, et faire que cette plateforme nous permette d'échanger tous les matins. C'est vraiment trop beau, putain. Je suis vraiment trop content. Bientôt, on va faire les 3000 comme Samuel Etienne. Ah là là, c'est génial. Les 3000. Non, mais déjà, les 1000, je serais tellement refait, quoi. Regardez, voilà Maggie, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est la mascotte, hein, de la revue de presse. Elle vient presque tous les matins, ou pas. Et c'est mon chat. Voilà. C'est une chance d'avoir un chat, vous savez. Le chat, c'est un animal formidable qui vous permet de faire des siestes incroyables, qui vous permet de relativiser aussi sur l'état du monde, qui fait des expériences sur la gravité, qui parfois aussi se demande comment ça fonctionne. Tiens, viens là, toi. Hop. Non, non, tu vas pas tout faire tomber. Voilà, c'est Maggie, voilà. On va parler de maltraitance animale après, si tu restes. Pas de toi, hein. Toi, je te traite bien. Enfin, j'espère. Je sais pas. C'est parce qu'Alexis Poulain... Non, bah oui, elle est belle, elle est très belle. C'est une jolie petite chatte qui était abandonnée. Voilà. Alors si vous pouvez aussi, hein, vous occuper des animaux abandonnés, c'est bien. Et pas abandonner les animaux. Hein. Parce qu'il y a des connards de Français, pendant les confinements, qui se sont dit « Tiens, je vais acheter un chat, un petit chien. » Puis après le confinement, ils se sont dit « Ah, mais en fait, il faut s'en occuper, c'est relou. » Et qu'ils les ont abandonnés. Donc faites pas des choses pareilles. On s'occupe de ces animaux. Pareil les enfants. Si vous faites des enfants, occupez-vous de vos enfants, c'est important. Mais oui, mais tiens. Tu n'es pas un perroquet.
Elle grignote, bien sûr, elle grignote les fils, elle fait tout comme un hamster. Mais c'est des animaux, ils savent pas s'ils sont soit une panthère, soit un hamster. Enfin, mais c'est bien les chats, franchement, je conseille. 700, vous êtes 700, c'est du jamais vu. Merci à vous, ça c'est grâce à vous. Le travail de partage hein, de cette revue de presse, ce travail d'amour, ce travail d'écoute, ce travail de... toute cette bienveillance, putain, toute cette bienveillance qui dégouline, ça me fait tellement du bien. Je voulais vendre mon chat à un labo, mais c'était une fake news. Bah, j'espère bien, quelle horreur. Donc bravo, bravo, merci à tous. Non Maggie, tu vas arrêter de gratter les papiers. Voilà, allez hop. Zou. Bientôt le jacuzzi, c'est vrai. Vous savez que si vous êtes 1000 par jour pendant une semaine, non-stop, Antoine et moi, on finit dans son jacuzzi. Voilà. Et sur VK, tous les réseaux, c'est génial. Merci beaucoup. Alors, on continue cette revue de presse qui nous emmène. C'est une balade incroyable hein, au sein de la presse oligarchique. Après ça, Emmanuel Macron confronté lui aussi au respect des gestes barrières. Eh oui, le problème, c'est qu'on l'a vu hein, faire la fête après le match de foot à l'Elysée. Ah ouais, c'est génial. C'était un match de foot caritatif qui a coûté je ne sais pas combien en sécurité personnelle du président. Je crois qu'à la fin, ils ont levé 30 000 balles pour un hôpital en Afghanistan, mais c'était super. Et puis après, on l'a vu au Salon des Maires. Salut, ça va Michel, ça va Micheline, comment ça? Ouais, bisous, tiens, des petites gouttelettes. Hein. Ta troisième dose, de toute façon. Ouais, mais ça veut rien dire. Mais si, mais allez. Et donc, il est emmerdé parce qu'évidemment qu'il ne respecte pas les gestes barrières, qu'il n'en a rien à foutre, puisque c'est le président, que de toute façon, le Covid... Bonjour, nous sommes vendredi. Vous vous rappelez quand il avait eu le Covid? Lui et Brigitte, ils ont eu le Covid juste avant Noël, il y a un an, pile. Et donc, il avait fait toute sa petite vidéo comme ça. Il était à la lanterne, coincé à la lanterne, soigné avec je sais pas quoi, parce que Brigitte a dit « J'ai été soigné ». Ah ouais, t'as de la chance toi. Parce que moi j'ai eu de l'aspirine. De l'aspirine et un truc de lavage de nez. C'est, voilà, c'est high level quoi. Et donc là, il en a rien à battre. Hein. Les gestes barrières, c'est pour les gueux hein, évidemment. Le masque aussi, il faut pas déconner. Les déplacements se suivent et la séquence se répète inlassablement. Une masse compacte de badauds se presse derrière les grilles installées sur le parcours d'Emmanuel Macron pour espérer le saluer. Le président les voit, cède à son irrésistible attraction pour ce type de moment et se rue vers eux. La discussion dépasse rarement le cadre du dialogue convenu et désormais habituel. Bonjour, ça va? Ça va? Vous allez bien? Merci d'être là. Bonjour, ça va? Oh, il vous reste deux yeux, vous, c'est chouette. Ça va? Toi, écoute-moi bien, fils de pute de chômeur. Mets un costard, traverse la rue, va trouver un boulot. Salut, ça va? Ça va? Ça va? Qu'est-ce qu'il a, lui? Qu'est-ce qu'il veut? Arrêtez-le! Je crois qu'il m'a lancé un œuf. Lui, direct en hôpital psychiatrique. Regardez, regardez, il me montre une pancarte avec un dessin de moi. Salut, ça va? Bonjour, bonjour. C'est voilà, ce genre d'échange, quoi. Et alors, voilà pour ce que les caméras présentes sur place parviennent à filmer et diffuser dans la cohue d'émeutes de journalistes redevenus imposantes. Mais au-delà du visible, reste tout un tas de petits à côté pourtant lourds de sens. C'est Guillaume Gomez, ancien chef des cuisines de l'Élysée, qui joue les pères fouettards dans les allées du Salon de la Restauration à Lyon fin septembre en exigeant du public qu'il remette son masque. Eh ouais, avant de s'adresser à Macron. C'est cette collaboratrice qui, à Lourdes, mi-juillet, arrose régulièrement les mains du président de gel hydroalcoolique, car depuis le déconfinement de l'été dernier, le chef de l'État donne du fil à retordre à ses équipes. Bah ouais, il en a littéralement rien à battre des gestes barrières. Rien à battre. Et après, il dit « Il faut respecter les gestes barrières. Il faut faire la troisième dose. Il faut mettre le masque. » Mais pas moi, parce que moi, je suis président, vous comprenez? Non mais c'est... Vous pouvez pas comprendre, parce que vous êtes des gueux, mais quand t'es président... Bon, t'as le pins d'immunité qui te protège de tout, y compris du Covid. Hein? Pas de mise en examen, enfin, longtemps après, secret défense, qu'ils viennent me chercher, le mec balance un œuf, il finit en HP direct. Non, je veux dire, quand t'es président, t'es bien. Y compris protégé des maladies hein, vénériennes, enfin de tout. Tu fais ce que tu veux, président, c'est la meilleure vie possible. Et alors le mec, c'est pas lui, hein, t'as des mecs qui lui mettent du gel, tout est mis en scène. Hein. Vous aviez les meetings des chefs d'État, ils mettent le masque juste avant, ils savent plus quand il faut mettre le masque, ils sont emmerdés. Ils disent, ah mais on va se faire emmerder parce qu'on n'a pas le masque sur la photo, qu'est-ce qu'on fait? Mets le masque, on sait jamais, Angela. C'est génial. Pas encore candidat déclaré, il en a pourtant déjà adopté la parfaite panoplie, reprenant les codes qui étaient les siens en 2017 et qui firent son succès à l'époque. Il se remit à aller au contact, au sens quasi littéral du terme.
presque convaincu que sa présence et son toucher sont thaumaturges pour les gens qu'il rencontre, a fortiori lorsqu'ils lui sont hostiles, comme l'avait résumé fin 2019 son ancien conseiller en communication Joseph Zimet. Thaumaturge, rien que ça. Emmanuel Macron, je me lave toujours les mains et je garde toujours le masque en milieu fermé. Et je pense que c'est indispensable. Ah oui, on a bien vu qu'il gardait le masque à l'Élysée hein, pour la teuf après le match de foot. Hein. Au Salon des Mères, pareil. Ah, oh, faut que je mette le masque, en fait. Après avoir serré 15 louches, quoi. Alors, à l'approche de la présidentielle, Emmanuel Macron refait du Emmanuel Macron. Et ce, quoi qu'il en dise. Nous avions tous un peu relâché nos efforts et c'est bien normal. Il faut donc les reprendre, a-t-il exhorté le 9 novembre, lors de son allocution solennelle appelant les Français à une attention accrue sur l'application des gestes barrières. Un geste barrière, hein, un geste barrière, le bulletin dans l'urne, paf. Ça va être un bon geste barrière, ça, pour 50 plus ? Non. Je sais pas pourquoi, j'ai pas envie. On a fait des trucs, hein. Mais Poutine va encore être... Tu m'étonnes. Non mais les mecs... Attends, après ils critiquent... vous avez de la chance, hein, on tire pas à balles réelles dans les manifestants. Hein. Bah, c'est un pays européen qui tire à balles réelles, c'est très bien. Arrêtez, allez voir un peu en dictature qu'est-ce que c'est. Oh mais quelle... Mais c'est honteux cette propagande. Thaumaturge. Les thaumaturges, ouais, tu m'étonnes. Et pendant ce temps-là, les gamins ont des masques à l'école, oui, il faut le rappeler. Hein. Et puis bientôt, ils auront le droit à la piqûre dès 5 ans, vous inquiétez pas. Ils seront libérés des masques comme ça. Ah non, merde. Oh là là. Rappelez-vous, hein, le meilleur truc pour retrouver la vie d'avant, c'était le vaccin quand même. Hein. Enlever le masque, papy, mamie qui sortaient du balcon et tout. Rappelez-vous de la pub où la mamie, elle rêvait de serrer sa petite fille dans ses bras. Parce qu'elle avait été déjà, elle avait tellement peur de ses petits-enfants que bon. Mais là, à vacciner, elle... Ah. Ah merde, troisième... Ah merde, le... Ah merde, 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 y'a rien qui marche, merde. Qu'est-ce qu'on va faire, du coup? Qu'est-ce qu'on va faire comme avant, quand c'était la grippe? Bah ouais. Mais on a... Ah bon? Bah, ouais. Mais y'a plus d'hôpital. Ah oui, c'est vrai que ça a changé. Avant, y avait l'hôpital pour soigner les malades de la grippe. Là, y'a même plus d'hôpital. Désolé. Bah démerdez-vous, hein. Voilà, hein. Si vous êtes pas capable de vous payer un médecin personnel comme Emmanuel Macron, c'est que vous avez vraiment raté votre vie, hein. Voilà. Et donc, à Béziers, le président s'est offert une longue poignée de main avec le maire, puis avec la députée locale, le couple Robert et Emmanuel Ménard, ainsi qu'avec les autres élus venus l'accueillir. Idem jeudi à Paris pour le congrès des maires. Rebelote vendredi à Aulnoy-Aymeries. Le mec, c'est un super spreader. Hein. T'as Macron qui arrive. Il... Je me lave toujours les mains, voilà, c'est ce qu'il dit. Ben, bien sûr, oui, oui. Alors, c'est fini, hein, la salutation, point contre point. Tu sais, c'était le truc. Ou alors le coude. Hein. Salut! Salut, tu veux pas plutôt me toucher la bite? Non, c'est pas un geste barrière, ça, c'est déplacé. C'est un geste déplacé, ça. Ah bah non, mais apparemment, j'ai vu des mecs faire ça. Ah bon? Écoute, va te faire foutre, salut. Bonjour. Alors, déjà, on est content, on fait plus la bise. Hein. Ah, le matin, quand t'arrivais, le collègue qui pue de la gueule et tout, t'as pas envie de faire la bise. Non, c'est vrai. Il y a des moments où t'as pas envie, tu dis... Pff. Donc ça, déjà, ouf. Tu vois, c'est ouf. Maintenant, la poignée de main, c'est pareil, t'avais pas envie. Les mecs qui sont là, genre, tiens, je vais lui écraser la main pour montrer que je suis un mec, moi, je suis un fauve, moi. Ou le mec qui avait la main moite, tu vois, c'est pareil, on s'en débarrasse. Alors, un coup de coude, un petit coup de bite, et puis hop, c'est reparti, on se salue comme ça, c'est comme ça maintenant. Non, là, non, il resserre des louches. Eh oui. Donc, il n'y aura plus que le port du masque qui fera office de barrière virale pour le chef de l'État. Donc, il mettra de temps en temps un masque pour les photos. Et sinon, bah, il va serrer des louches. Il va faire comme si c'était bien. Et alors, ça tombe bien, puisque le maire LR du Touquet, hein, Daniel Fasquelle, alors lui, il a été génial. Comme il y avait le couple Macron chez lui ce week-end, hein, puisqu'il est à Amiens aujourd'hui, notre cher président, pour aller rencontrer les Whirlpool. Alors non, pas à l'usine, hein. Il les rencontre à la préfecture, derrière des portes fermées. Et puis sinon, il va faire encore, bah, il va se mettre en scène avec un masque pour dire « Salut, ça va ?» Et donc là, il était au Touquet ce week-end, dans la maison qu'il a redécorée avec Brigitte, avec les millions qu'il a gagnés dans la banque d'affaires. Très, très bien décorée, cette maison. Très, très bien fait. C'est une belle baie vitrée, pareil, avec vue sur l'effondrement. Enfin, c'est classe. Et donc là, le maire du Touquet, hasard du calendrier, eh ben non, il a réinstauré le port obligatoire du masque ce week-end,
pile le week-end où le couple Macron avait décidé de venir se reposer dans leur domicile familial au lendemain d'un déplacement dans l'Aisne, à la veille donc de cette visite dans la Somme aujourd'hui. Mmh. Voilà. Donc au Touquet, masque obligatoire, y compris dans la rue. Ah bah pourquoi pas ? Bah oui, pourquoi pas ? Mais je trouve que c'est une très très bonne idée, moi. Hein ? De toute façon, ça évite au couple présidentiel de voir vos gueules de con. Vous n'êtes jamais contents, de toute façon, les Français. Là, les Français masqués, tu sais pas s'ils sourient, s'ils acclament, si... Voilà. Alors après, dans le Figaro, t'as des pubs pour des thérapies géniques pour le cancer. T'as un truc aussi sur les troubles urinaires. Un problème fréquent, mais à prendre au sérieux. C'est le dossier santé du Figaro. Ouais. T'as aussi la dénutrition, une maladie qui guette les personnes âgées. Bon, tu sens que bon, c'est ciblé, hein, c'est le Figaro Santé, mais quand même, tu te dis, ah ouais, il parle pas non plus des risques que tu peux te faire en jouant au tennis, quoi. On sent qu'il accompagne son lectorat, c'est beau. Les racines aussi. Et attendez, je cherche dans la page ID. L'entretien avec Christophe Djouly, qui avait publié Fracture française, qui dresse un tableau du paysage politique, lui explique en fait qu'il y a vraiment un vol en fait avec cette politique de la peur, de la crainte. Je vais vous lire ce passage de l'interview qui m'a semblé vraiment ultra intéressant. Ah bon ? Non, il faut faire F5 pour pas avoir les phrases en double. Sinon, tout est bien, les phrases ne sont pas du tout en double. Le masque, ben attends, en cas d'épidémie gastro, il est prévu le plan soleil noir. Donc, on va faire un blackout électrique, gaz, tout, pendant 15 jours. Là, on est sur 15 jours de blackout. Comme ça, on voit, seuls les Français les plus forts survivront. Ça va être le plan blackout, quoi. Soleil noir. Ça va être magnifique. Alors si les Rotterdam, on en a un peu parlé, hein, même au JT, on en a un peu parlé en parlant bien sûr d'émeutiers, en disant qu'il y avait eu des tirs de sommation et que certains avaient été touchés par des tirs dont on ne savait pas s'ils étaient de la police. Il y en a 7 confinés à l'hosto quand même, 2 qui sont toujours dans des situations graves. Mais non, c'est pas grave, c'est des émeutiers. Le macroniste te dira que c'est bien fait pour leur gueule. Hein. Et encore, ils ont de la chance, la police visait pas la tête cette fois-ci. Super, mais c'est super ça, qu'est-ce que je suis content. Alors à propos du fascisme, ce que nous dit dans son interview Christophe Djouly, la pandémie a-t-elle bouleversé le clivage ? Le monde d'après sera-t-il caractérisé par un exode urbain ? Il dit bon voilà, en fait l'exode urbain révèle un biais, simplement c'est les plus riches qui se barrent des villes pour acheter dans les régions où c'est plutôt enviable. Et donc vous avez les riches par exemple qui ont pris possession du littoral avec les jeunes des classes populaires qui sont nés là, qui ne peuvent plus vivre là où c'était bien, qui sont obligés de s'exfiltrer, s'exiler sur leur propre territoire. C'est-à-dire que ce monde où le marché régit toutes les règles fait que les inégalités ne font qu'accroître avec des riches qui vont remettre les inégalités dans des territoires là où elles n'étaient pas forcément aussi exacerbées. Comme vous avez... alors c'est le principe de la maison secondaire, hein, de l'ultra-bourgeois qui va acheter dans un coin super chouette et le local qui peut plus loger là où il pouvait, hein, il y a ça quelques années, et qui est obligé d'aller dans des lotissements ou beaucoup plus loin, parce que la belle maison, bah, elle était vendue avec une belle bascule au bourgeois parisien qui viendra une fois par an, peut-être, éventuellement, ou qui va un peu s'exfiltrer quand il faudra se confiner, hein, et qui fera un bel article dans Le Monde en expliquant oh, « J'étais tellement heureuse d'être confinée avec mes enfants, de réfléchir au monde d'après dans mon jardin de 800 mètres carrés, pardon, 8000 mètres, de 8 hectares. » Bref. En fait, voilà, c'est la société qui est en train de s'organiser. C'est un modèle ultra inégalitaire avec 20% des plus aisés qui bénéficient hein, de la société de la maltraitance et tous les autres qui sont maltraités. 80% de maltraités. 80% de maltraités qui sont incapables de s'organiser pour remettre en place une mécanique de lutte des classes et récupérer ce qui est à eux. Bah, c'est normal qu'ils soient maltraités. Ils cherchent un peu. Hein, faut se bouger. Il faut s'organiser, il faut bien sûr, alors cette revue de presse elle est là pour qu'on se sente moins seul, mais j'ai pas les clés, je suis pas un homme politique, je suis journaliste, éditorialiste, donc j'essaye de parler des mots de la société. Maintenant pour ce qui est de s'organiser, il faut voir avec les politiques, et c'est vrai que tu regardes et tu fais « oh putain, qu'est-ce qui se passe ?»
Ah, Fabien Roussel, si, il a fait un truc, le PC a dit, ah, je vais rendre gratuit le transport. Et sinon, pour ce qui est de récupérer l'argent direct, oui, on verra ça plus tard. Fabien Roussel, qui n'était pas allé au salon des lanceurs d'alerte. Mais bon, et voilà, c'est. Bah, ça va, ça se complique. Voilà, alors donc il explique voilà, sur le principe de la résidence. Et puis, on se fout en fait du destin des jeunes issus des catégories populaires. On tiendra des grands discours, on organisera des assises du territoire, des élus locaux diront que c'est scandaleux. Mais comme on ne veut pas bouger dans le fond, hein, on reste sur une société de marché, le néolibéralisme de combat, autoritaire, ultra inégalitaire, ça ne bougera pas tant qu'il n'y aura pas un vrai candidat, enfin un vrai mouvement finalement d'émancipation des classes populaires. Et ce ressentiment alimente le mouvement existentiel et social des classes populaires et moyennes occidentales. Et puisque les élites ne veulent pas ou ne peuvent pas y répondre, elles tiendront les populations par la peur. Ça, c'est important. La gestion par la peur consiste à promettre l'apocalypse, qu'elle soit démocratique, écologique ou sanitaire. L'apocalypse démocratique consiste par exemple à nous faire croire depuis 30 ans à l'arrivée du fascisme. C'est du théâtre. Et cela permet de rabattre éternellement les indécis ou le gros bloc des retraités, hein, les peureux, quoi, vers les partisans du modèle globalisé. Ce modèle qui bénéficie aux 20% les plus riches. Les citoyens auront peur du fascisme, de l'apocalypse sanitaire ou encore de l'apocalypse écologique. Même les gosses vivent dans la peur maintenant de l'apocalypse écologique. Toutes ces peurs permettent à des gouvernements impuissants de rabattre vers eux des citoyens qui ne votent plus par adhésion mais par crainte de l'apocalypse. Il n'y a aucune adhésion au macronisme, seulement un vote de peur. S'il est réélu, le lendemain, il s'effondrera dans les sondages. Voilà la vérité du macronisme. Il n'y a aucune adhésion, c'est un vote de peur. C'est les peureux qui nous emmènent à l'abattoir. Donc les courageux, ceux qui n'ont pas peur, c'est le moment de s'unir, c'est le moment de ne plus avoir peur, c'est le moment de dire « Écoutez, vos merdes, on n'en veut plus ». C'est ce que dit Julie, hein, il le dit très bien. Le gouvernement ne gouverne plus, il fait peur. Et si la peur ne suffit pas, il fait mal. C'est ça, c'est ce monde-là dans lequel on vit. C'était le principe de mon coup de gueule de samedi soir. Je vais pas changer, hein, je suis resté aussi vénère, vous inquiétez pas. On rigole un peu plus dans la revue de presse parce que c'est important de rire pour supporter. Mais c'est seule la grève générale, voilà, seul le rapport de force fera que cet engrenage du pire va s'arrêter et que les perdants vont toujours perdre davantage. 80% de perdants de ce modèle, 80%. La majorité qui n'est pas représentée par cette majorité politique. Et c'est à cette majorité-là, invisible, celle qui vote plus, celle qui est dégoûtée, celle qui perd systématiquement, qu'il faut parler, qu'il faut convaincre, qu'il faut arriver. Dans le Lot, c'est comme ça, mais partout, c'est comme ça, absolument. Donc oui, c'est le nombre. C'est le nombre qui peut changer les choses. C'est l'organisation aussi, le que faire, bien sûr. Il faut arriver à faire ça. Et le courage, arrêtez d'avoir peur. Arrêtez aussi d'obéir à des peureux, les grands fauves. Seriously? Donc voilà. Excellent entretien dans le Figaro, une fois n'est pas coutume. Qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite dans cette revue de presse? Oh ouais, putain! Je sais pas si vous êtes prêts. Hein. Des fois, je fais des trucs, ça aussi, c'est maltraitant. Hein. Sophie Boissard. Vous savez qui c'est, Sophie Boissard? Non, vous savez pas qui c'est. Ben si, vous savez qui c'est. Ben oui, c'est l'énarque qui dirige le groupe Corian, qui a je sais pas combien de millions sur son compte en banque, puisqu'elle est très très bien payée, alors que ses soignants sont pas super payés. Et alors elle dit, non mais attendez, hein, on a une sale image, mais on fait un boulot quand même de ouf. Hein. Elle remercie bien sûr le staff hein, qui travaille pour des queues de cerises. Ils sont géniaux, hein, ils ont su s'adapter, puis ils ont su qu'on faisait des petits cafés virtuels, ils ont compris que le management était avec eux. Parlant de cafés virtuels, je me resservirais bien, moi, mais... Ah, il est froid. Et donc, Sophie Boissard t'explique que la crise, c'est super. Parce que ça a permis au groupe Corian d'accélérer, hein, de faire le Great Reset, hein, c'est-à-dire de se numériser, d'aller toujours plus loin. Et donc là, elle t'explique qu'ils ont su aussi qu'ils pouvaient faire des choses. Hein. 8000 personnes, des soignants, formés à travers l'alternance, la promotion professionnelle. 4500 personnes dans toute l'Europe, dont la moitié sont des soignants. 90 000 lits, 400 000 patients de 75 ans d'âge en moyenne. 18 mois d'une crise qui a permis donc d'accélérer, hein, d'aller plus vite. Hein. Allez, toujours, on fonce droit dans le mur, mais plus vite. Nous avons fait des bonds de géants en termes d'intégration à l'échelle européenne ou dans l'adoption du digital. Elle dit encore digital, on dit numérique maintenant, mais
C'est pas grave, Sophie. La crise nous a probablement fait gagner 3 à 4 ans. Ah ben, c'est toujours ça. Hein. C'est toujours ça l'espérance de vie qu'auront pas eu les locataires du groupe Korian. Alors oui, ils ont perdu 3 à 4 ans d'espérance de vie. Mais bon, nous avons complètement repensé nos process de recrutement. Hein. On anticipe les besoins, on forme les apprentis. Bon, qu'est-ce que la crise vous a personnellement enseigné ? La force d'engagement et du collectif, hein, profondément unis autour de la mission au service des personnes âgées et fragiles. Même dans les périodes aiguës de la pandémie, avant les tests, hein, alors que l'incertitude était totale, les collaborateurs ont toujours répondu présent. Vous avez notamment une collaboratrice du groupe Korian, hein, qui est en train de faire un procès pour harcèlement, qui a été maltraitée par le management, soutenue bien sûr par les syndicats, mais certainement pas par les ressources humaines. Hein. C'est la force du collectif, ça. C'est la plus grande leçon pour moi. Une entreprise tire sa force et sa résilience. Pareil, c'est un mot-clé du manager, hein, la résilience. Bon, alors, on te traite comme une merde. T'arrives pas à manger avec ton salaire. Mais t'es résilient. C'est bien, ça. Ça, c'est bien. Ça, c'est la preuve que tu as tout en toi, les caractéristiques d'un potentiel grand fauve, à haut potentiel. Oui. Enfin, si tu commences à ouvrir ta gueule, t'inquiète pas que tu vas finir à la rue quand même, hein. Donc, sois résilient, hein, et voilà, donc c'est ferme ta gueule, la résilience. Non, bien sûr que non, c'est plein de qualités humanistes sur la façon que t'as de transformer le mal en expérience du bien, enfin c'est... C'est de la merde inventée par les ressources humaines, évidemment. Et puis le rôle majeur, hein, des 1000 directeurs d'établissement qui ont assuré la continuité du fonctionnement tout au long de la crise. Là, elle remercie un peu le staff qui va prendre un peu des petites actions, là. Hop, 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 hop. Eux, ils ont de l'intéressement, les directeurs d'établissement. Ça va bien se passer pour eux. Bon, par contre, le soignant de base, il est résilient, hein, c'est sûr. Puis, il est triplement vacciné, sinon il perd son boulot, hein, le soignant de base. Les parties prenantes, les familles, les autorités locales, bon bref. La crise a-t-elle changé votre lien avec les salariés ? Elle a renforcé nos liens. La fréquence des échanges directs avec les équipes de terrain, l'usage intensif de la visioconférence, un peu comme là ce matin, tu vois, la fenêtre des nouvelles formes de communication interactive, les cafés virtuels, voilà, c'est là pour prendre le pouls. Hein. J'ai une immense reconnaissance pour que chacun des collaborateurs du groupe a fait. Et réciproquement, je sais qu'ils sont conscients qu'il y a toujours eu un capitaine à la barre et que l'engagement de l'équipe de direction à leur côté était total. Ces capitaines d'industrie, hein, qui sont là, c'est ah là 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 là, c'est génial, c'est génial. Mais bon, il y a des mecs qui, ouais, c'est encore un discours, tu vois, qui tient, quoi. Je sais pas comment ça tient, mais c'est encore un discours où les gens se disent, ouais, il y a des grands capitaines, elle a été formidable. Merci Gilles Pixel d'avoir offert un abonnement à la communauté. Merci à vous, vous êtes super nombreux ce matin. N'hésitez pas à vous abonner, à suivre ici notre chaîne Twitch ou nos réseaux sociaux, à partager le lien, bien sûr, de ce stream un peu partout, à en parler lors de vos rendez-vous professionnels, lors de vos déplacements, lors de vos meetings familiaux, à faire la retape, bref, de la revue de presse du monde moderne, parce que c'est une revue de presse qu'elle est vachement bien. Quand même, c'est vrai que tous les matins, qu'est-ce qu'on se marre. Même si, franchement, en vrai, tu fais... Attends, il a vraiment dit ça ? Je me lave les mains souvent ? Oui, c'est le président se lave les mains avant de te toucher et d'enlever les écrouelles. D'accord. L'heure des pros laisse passer des infos. Des fois, ouais. Ah, c'est vrai que c'est l'heure des pros, là. Putain, je suis en plein... Mais la radio baisse. Je sais qu'on prend de l'audience à la radio, on va prendre de l'audience à la télé. Vous savez, c'est là aussi qu'est la nouvelle audience. Je pense qu'on peut trouver, parce qu'ici, on peut parler, il y a du monde pour le monde moderne. Merci à vous de faire de la pub sur tous les Discord, sur les réseaux sociaux, partout. Et c'est vrai que ça fonctionne, ce bouche-oreille. Et plus on prendra d'audience, plus ça va changer la donne. Parce que derrière, ça fait qu'après, t'as les mecs des services de fact-checking qui arrive, qui dit putain, attends, il a encore sorti un chiffre qu'il fallait pas sortir. Ouais, mais ça veut rien dire. Ouais, dis-lui, bah, il faut expliquer à tout le monde. Ça ne veut plus rien dire. Hein, Olivier Véran ment à peu près quotidiennement, mais c'est pas grave. Lui, il a le droit. C'est le ministre du mensonge, pardon, de la santé. Et oui, la voiture présidentielle, t'as ton petit lavabo, t'as ta petite bouteille de gel alcoolique, t'as ton petit stock de masques, t'es là. Bonjour, je viens vous sauver. Ah non, va-t'en, toi, on t'a déjà vu, c'est bon. Ça redonne de l'espoir, peut-être.
Oui, Macron voudrait. Non, mais alors ça, c'est les bruits de couloir, vous savez. Parce que l'élection présidentielle, les dates ont été avancées, en fait, parce qu'il y avait des vacances. Donc on s'est dit, tiens, enfin, ils se sont dit, tiens, si on faisait une entourloupe, que ça se passe un peu plus tôt. Et le problème, c'est qu'après, tu aurais les élections législatives beaucoup trop tard. 2 mois de campagne pour les législatives, c'est trop long. Surtout avec des mecs de la maison commune, faire campagne, ils savent pas. Aller sur un marché, pour eux, c'est pénible. Les gens les connaissent pas. Quand ils les connaissent, ils les insultent. Enfin, ça se passe mal. Donc, ils ont dit non, on peut pas, 2 mois de campagne, on va perdre des gens. Hein. Moralement, enfin, c'est du travail. Une fois que tu es élu, l'Assemblée nationale, tu n'y vas pas souvent. Hein. C'est un truc, ça va. Enfin, ça dépend, il y en a qui bossent. Mais globalement, bizarrement, les mecs de la Macronie, ou enfin des. Magui, non, arrête, arrête, arrête. C'est mes papiers, il faut que je les range, mais pas là. Pas maintenant. Donc c'est du boulot, une campagne, et ils sont pas chauds. Donc ça va, et peut-être dissoudre l'Assemblée nationale pour faire voter, sachant Emmanuel Macron est très conscient que s'il est réélu, si les Français aiment autant le sadomasochisme, il peut être réélu, mais il n'est pas sûr d'avoir une majorité. Donc, d'où la maison commune, d'où les mecs qui sont en train de s'écharper, tu vois, Ferrand, le MoDem, Bayrou, Agir, hein, tous ces micro-partis qui représentent rien, à part les mecs qui vont en vivre, hein, qui sont là pour. Ah oui, non, mais les Français ont besoin de continuum, hein, d'espace-temps, ils ont besoin de calme, de sérénité, ils ont besoin d'un président aussi beau qu'Emmanuel Macron, et puis après, il faut des députés aussi beaux que le président. Hein. Oui, alors on va refaire le casting, alors du coup, mais non, mais c'est pas, non, mais c'est pas le physique, je parlais de beauté intérieure, tu vois. Des gens qui sont là parce qu'ils aiment la win, ils aiment la résilience, ils aiment le dialogue. Hein. On aime le dialogue. Quoi, t'es pas content? Toi, tu veux un pain dans la gueule, toi, c'est ça, t'es pas content? Je vous vois là sur le chat. On a de la chance, on n'a pas trop de trolls dans le chat, vous êtes tous des gens bienveillants. Ça, je trouve qu'on a vraiment, vraiment une chance formidable. Je trouve qu'on est entre gens. De qualité tous les matins comme ça avant d'aller au boulot ou pas hein, d'écouter ça c'est vraiment chouette. Je sais pas pourquoi il est roux, il a changé de couleur de cheveux depuis l'été, peut-être l'âge, peut-être qu'il a arrêté de se faire des teintures. C'est François Hollande qui continue, tout le monde lui dit arrête, ça se voit, aïe 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 François arrête. Et là, il arrive le noir corbeau comme Johnny, mais il était blond Johnny, c'est pas grave, c'est bordel. Bonjour, bonjour aux nouveaux, bienvenue aux nouveaux, merci les nouveaux abonnés, merci à tout le monde. Le chat de qualité, le revue de presse de qualité, c'est le monde moderne. Allez, Libé qui fait sa une sur l'inflation 10 ans après tout le monde. En disant, tiens, on en a parlé. Non, mais tiens, on va en parler. Ah, ok, bon. En disant que ouais, c'est quand même chaud l'inflation. Bon, on en a parlé, hein, vous le savez, c'est chaud. Le petit chèque des 100 balles pour fermer vos gueules, c'est pas sûr. Les sénateurs, ils savent pas comment le distribuer, c'est une usine à gaz. Et puis alors t'as cette phrase d'un ministre qui dit non mais attendez, si on baisse de 10 centimes l'essence, hein, les couillons de Français vont rien y voir, hein, et nous on va y perdre plein de millions de brosouf. Et on sera même pas remercié pour ça. Faut faire un truc qui se voit. Donc le petit chèque de 100 balles. Mais le petit chèque de 100 balles, c'est tellement compliqué à distribuer que même ça. Ah tiens, tu veux ton petit chèque de 100 balles? Et voilà. J'ai pas mon petit chèque de 100 balles. C'est pas ça, moi. C'est un chèque que j'ai retrouvé dans mes papiers. Ça, c'est un truc de la CE. Je sais même pas ce que c'est. Voilà. Chèque de 2016 que j'avais pas encaissé de 5,90 €. Qui était dans mes papiers. Phobie administrative, hein, c'est un truc, je vous le dis, c'est compliqué. Eh oui, ici on ne veut pas de transhumanisme. Non, on veut juste de l'humanisme. Hein. On enlève le trans. Après, j'ai rien contre les trans, hein, mais juste le transhumanisme, c'est pas un bon truc. Hein. Autant sexuellement, tu fais ce que tu veux, mais humainement, le transhumanisme, c'est un truc bizarre. Il est plus bon. Bah non, je sais qu'il est plus bon. C'est pour ça que je sais bien. Heureusement, c'est que 5,90 €. Parce que les mecs, au lieu directement de te filer de la. Tu vois, non, ils te font un chèque qui t'envoie par la poste. Que Bref. Oui, le chèque de 100 balles, je crois qu'il a été annulé par le Sénat. Enfin, on verra, mais c'est compliqué. Transvax. Ah oui, il y avait un sketch de Kevin Razi sur Je me sens transvax. Je veux être respecté dans mon identité transvax. Comme j'ai. C'était un très bon sketch.
On vit dans le monde réel. Ouais, je sais pas. Merci F23 des 321C de découvrir cette chaîne. Bah vous êtes de plus en plus nombreux à la découvrir, hein. Elle s'appelle Le Monde Moderne. On est un peu partout. On a même un site internet. Vous pouvez vous abonner ici, nous soutenir via Patreon. Et elle est tout ça. Je vais me faire un café. Ouais, mais moi j'aimerais bien un café aussi. Bref, Libé donc parle de pouvoir d'achat. Merci, vous avez le lien. Je vais mettre le lien aussi. Vous êtes là, hop, c'est là, paf. Voilà. Et puis après, dans Libé, on a retrouvé Peng Shuai, la joueuse de tennis chinoise qui a disparu. Alors, on n'est pas sûr, hein. On a vu des petites vidéos ce week-end où elle fait la fête, elle mange des trucs, elle a un chaton, tu vois, elle dit que tout va bien, mais c'est un peu comme Britney Spears quand elle était sous le joug de son père, sous la tutelle. En fait, on apprend, enfin, les instances internationales se disent, on n'est pas dupes, hein, les Chinois, on sait ce que vous faites. Elle est dans une prison privée, ça s'appelle. Alors généralement, c'est dans des hôtels de luxe, c'est des sous-sols d'hôtels, c'est pas des prisons officielles, c'est des camps de rééducation, hein, et t'es là pour... Bah, t'es séquestré, hein, parce que Peng Shuai, cette joueuse de tennis, quand même, a été retirée du circuit parce qu'elle a accusé de viol et de harcèlement un des hauts pontes du Parti communiste chinois, hein, vice-premier ministre, qui sont des semi-dieux là-bas. Hein, c'est le communisme, faut pas déconner, hein, quand t'es chef communiste, t'es un dieu. Donc, faut pas dire du mal du chef communiste, hein, parce que c'est des parangons de vertu, c'est des mecs, c'est comme Emmanuel Macron, hein, c'est des mecs qui sont tellement beaux, ils sont tellement propres, ils sont tellement vertueux. Et elle a dit, c'est un gros porc. Alors, plutôt que de mettre le gros porc en prison, le Parti communiste, il a dit, ah non, 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 c'est qui cette pute là? C'est la joueuse de tennis qui a dit que c'était un gros porc. Ah ben, ça, non, 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 non. Allez hop, en tôle. Donc tout le monde a fait une campagne, l'équipe a fait sa une. Bref, internationalement, on a dit, on n'est pas dupes les Chinois, on sait que vous avez foutu Peng Shuai en prison. Les Chinois ont dit, ah bon, ça s'est vu? Bah regardez, pourtant Mbappé, il était au zoo avec les deux petits pandas, il était tout content, avec une jeune nageuse chinoise de 17 ans. Là, ils n'ont pas dit, ouais, Peng Shuai, hein. Ils étaient là, oh, qu'est-ce qu'ils sont mignons, comment ils s'appellent? Peng et Shuai. Ah non, ils s'appellent Ping et Pang. Non, ils ont un nom chinois. Hey, alors les autorités chinoises, pas bêtes, hein. Elles ont sorti Peng Shuai de sa prison et ils ont dit, tiens, on va faire des photos pour les réseaux sociaux, puis une petite vidéo. Et après, hop, tu la remets en tôle. Et c'est alors, personne n'est dupe, puisqu'on voit bien que c'est un peu comme quand Britney faisait ses petites vidéos qu'elle tournait sur elle-même. Hein. Pour ceux qui sont fans de Britney Spears, il faut savoir qu'elle a été quasiment. Il y avait un mouvement Free Britney, puisque la tutelle était quasiment un enfermement de la star. Peng Shuai, c'est pareil. Donc, ils la ressortent sur les réseaux sociaux pour rassurer un peu tout le monde, mais personne n'est dupe. C'est une dictature, hein, la Chine communiste. Hein, Jean-Pierre Raffarin, si tu nous écoutes, allô, c'est une dictature. Voilà, communiste. Mais c'est bien, hein, c'est pareil. 50 millions, les droits de l'homme. Oh, un panda. Oh, merci. Qu'est-ce qu'il est mignon, ce panda. Oh là là, comment il s'appelle? 50 millions de dollars. Oh, il est mignon comme tout, ce panda. Allez, hop. Ça, c'est dégueulasse. J'espère que vous avez le cœur bien accroché. C'est pas parce que je m'appelle Poulain que je vais parler du calvaire des juments dans les fermes à sang. Mais je vais en parler parce que la maltraitance animale, c'est pas que les salopards, hein, qui font du mal à leurs chats, à leurs chiens qui les abandonnent, c'est aussi un système. Dans la société de maltraitance, on maltraite les humains, pourquoi on traiterait bien les animaux? Alors, dans les animaux, ils prennent encore plus cher que nous. Entre les cochons castrés dès la naissance, quasiment, les poussins qui passent à la broyeuse, les veaux, enfin bref, l'hécatombe quotidienne au sein des abattoirs. Et là, vous avez un truc qui est formidable, c'est les fermes à sang de juments. Alors, je vous explique, c'est un truc merveilleux. Il faut savoir que quand la jument est enceinte, elle produit une certaine hormone qui est utile pour l'élevage intensif, bien entendu, pour synchroniser toutes les juments. Donc, on prend du sang de la jument, 5 litres, je sais plus, je vais lire l'article, c'est dégueulasse. Hein. J'espère que vous avez le cœur bien accroché, je suis désolé, mais j'en ai marre. J'en ai marre des humains, en fait. J'en ai vraiment ras-le-bol. J'en ai vraiment ras-le-bol de cette espèce de merde. Donc voilà. C'est un scandale en Amérique latine. Une enquête dénonce les maltraitances subies par des milliers de femelles gestantes dans l'île nordique en Islande. Parce que d'abord, c'était en Amérique latine, mais là, c'est les Islandais. Alors, tu dis pourtant, l'Europe du Nord, vachement bien. Non. Il y a un petit reliquat viking quand même où t'aimes bien boire du sang dans le crâne de ton ennemi. Où t'aimes...
Alors, on pensait ne plus revoir de telles images. On se trompait. Les fers maçants existent toujours et provoquent la souffrance de milliers de juments. C'était un scandale de 2017 qui avait été dévoilé par AWF et TSB, des ONG du droit des animaux, allemandes et suisses, qui révélaient que des chevaux semi-sauvages étaient saignés dans des conditions indignes en Amérique latine. Les juments sécrètent entre le deuxième et le quatrième mois de la gestation une hormone qui est utile à l'industrie vétérinaire, qui est appelée le ECG, qui s'appelle le gonadotrophine chorionique équine. Voilà. Alors, le gonadotrophine chorionique équine, ça crée le malheur des juments. Et vous allez voir pourquoi. Parce que ce ECG entre dans la composition de produits utilisés dans les élevages industriels français. L'objectif, synchroniser les chaleurs des femelles et grouper les naissances. Alors, c'est des produits qui sont interdits dans les élevages bio, mais alors dans les élevages intensifs, c'est cadeau. Et donc, conditions d'élevage dégueulasses, prélèvements sanguins dégueulasses. En France, Wellfarm avait relayé ces images. Les deux principaux industriels qui commercialisent des produits à base de CG s'étaient détournés de leurs fournisseurs d'Argentine et d'Uruguay, optant pour l'Islande. En disant, ah là c'est cool, on a des fournisseurs, c'est l'Europe du Nord, ils sont gentils, ils font des câlins à la jument avant de lui trancher la gorge. Non, elle reste vivante, hein. On lui prélève juste des litres de sang. Et en fait, non, il se trouve qu'en Islande, ils font pareil, c'est des gros porcs. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Une centaine de fermes à sang en Islande, qui est un business très lucratif, hein, qui exploite plus de 5000 juments. C'est là que les images diffusées aujourd'hui par Wellfarm ont été tournées à l'été 2019, puis en septembre 2021. Donc ça se passe en ce moment, alors qu'on en parle. En Amérique latine, les juments sont avortées deux fois par an lorsqu'elles sécrètent plus de CG et que leur sang n'est plus intéressant. Donc en plus, on avorte. Ça, c'est les industriels qui racontent. Hein. C'est la directrice du projet de défenseur des droits des animaux qui explique. En Islande, alors les poulains sont conservés pour être envoyés à la boucherie. C'est plus malin. Hein. C'est vrai, c'est con d'avorter alors que tu pourrais vendre un bon poulain pour la boucherie. Hein. Je dis pas ça parce que je m'appelle Poulain, Sandra. Voilà. Là-bas, les juments sont saignées alors qu'elles attendent un petit et qu'en plus, elles en allaitent un autre. On leur extrait 5 litres de sang par semaine, environ 15% de leur volume sanguin. C'est beaucoup trop pour leur corps. Grande violence, allaitante, gestante, saignée, les juments seraient aussi maltraitées, évidemment. Des coups de bâton, des coups de fouet pour les pousser à rentrer dans le box où elles vont être prélevées. Parce qu'évidemment, t'as pas forcément envie d'y aller. Hein. Tu dis non, j'ai pas envie d'y aller. Ensuite, on t'enlève ton gamin pour l'envoyer à la boucherie. C'est génial. Hein. Alors, en plus, ce qui est génial, les informations en Islande, hein, SEVA, Santé Animale, premier labo vétérinaire français, achète de l'ECG. Sollicité par l'IB, SEVA admet prudemment se fournir dans l'espace économique européen où les réglementations en matière de bien-être animal sont particulièrement strictes. Hein. Que des coups de bâton, que des poulains à la bouche. Non, tout ça va se passer bien. L'autre poids lourd du secteur, le laboratoire MSD Santé Animale Intervet, fait savoir que d'éventuels dysfonctionnements donneront lieu à des mesures hein, correctives appropriées. Alors, il faut savoir que la République En Marche essaye de voter des lois pour que le travail des lanceurs d'alerte sur le droit des animaux soit rendu criminel. C'est-à-dire qu'on n'ait plus le droit de partager ces images hein, sous peine de poursuite. Ça, c'est le en même temps. Hein. Alors, quelle alternative ? Eh bien, il y a une alternative. Il se trouve que au lieu de prélever des juments, les labos pourraient aussi trouver des hormones de synthèse. Eh oui. Seulement, ça coûte des millions à développer et ça rapporterait pas assez. Tu te rends compte, Maggie ? Tu te rends compte ? Ah oui. Et donc, elle voulait aller là, mais il y a trop de papier, donc je la mets là. Alors, il y a Loïc Dombreval qui est député de La République En Marche et vétérinaire. Il faut mettre les labos devant leurs responsabilités, accélérer la recherche pour trouver des alternatives à cette hormone. Il faut rappeler à Loïc Dombreval que son parti, la majorité, veut criminaliser le travail des lanceurs d'alerte hein, sur le droit de la santé animale. Allô ? Allô, allô Loïc ? Si jamais tu nous écoutes, hein, fais quelque chose. Or, voilà, le problème, c'est que s'il n'y a pas des lois qui obligent à utiliser des hormones de synthèse, ça coûte trop cher. Donc, on va continuer de maltraiter des animaux. Et pourquoi on arrêterait de maltraiter des animaux puisqu'on maltraite bien les humains ? Hein ? Faut arrêter les conneries. Donc, voilà, ils n'en ont rien à foutre, en fait. C'est d'une tristesse infinie. Ça rame ? Ah bon ? Non, ça va. J'ai le live est marqué excellent ici, vous voyez ? Donc, c'est... Non, ça va.
Et arrêter, bien sûr, de donner ces hormones pour l'élevage intensif, tout simplement, et faire des élevages bio. Mais enfin, il y a plein de façons d'arrêter, en fait, cette société de la maltraitance. Seulement, les gens sont là pour la thune. Les maltraitants qui nous gouvernent, ils sont là pour la thune. Tout le monde est là pour la thune. L'argent. Ils s'en foutent du bien-être des humains et des animaux. Qu'est-ce que t'en as à foutre? Droits de l'homme? 50 millions d'euros. Et 50 millions d'euros. Pas con, hein. Droit de l'animal ou rien? Rien. Bah, j'aurais pensé que... Ah bah non, on a autre chose à foutre, hein, parce que sinon, le temps qu'on passe à défendre les animaux, c'est du temps perdu pour gagner de l'argent. Ah, d'accord. Ok. Mais ils font rien avec. Ils maltraitent. Et ils se protègent. Ah si, ils achètent. Alors, t'as des milices privées maintenant. Je sais pas si vous avez vu. Vous avez l'armée de sécurité RATP qui a maintenant des boucliers. C'est tout nouveau, hein. Plus ça va, plus les mecs ressemblent tous à des Robocop. Alors déjà, le CRS, tu regardes le CRS des années 50, 60, celui qu'on a maintenant, tu dis, bon, bientôt, c'est quand c'est je sais plus quelle boîte qui fait des drones qui vont mettre des robots, hein. Mais ils ont tout du robot, hein, et c'est impressionnant. Et même la RATP, maintenant, ils commencent à s'arnacher. Tu te dis, je vais prendre le métro, allô, hein. Non, on sait jamais, des fois... Terminator, non mais c'est flippant. Alors ça fait partie du truc, le costume doit être imposant pour faire un peu peur aux manifestants, mais là ça en devient tellement ridicule. Tu sais, les mecs, t'as l'impression que c'est Star Wars tout pété, quoi, parce que ça en devient ridicule. Il y avait une vidéo qui est passée où tu vois les mecs dans la rue comme ça, avec leur armure en Guadeloupe. Ils ont rentré chez vous, sinon c'est grenade lacrymo. Tu fais, oh là là, vous êtes ridicule. En fait, faut leur dire, c'est enlève ça, t'es ridicule, tu fais honte à ton fils, enlève ça. C'est ce genre de truc qu'il faut leur dire. Je pense que ça imprimerait, en fait. Donc voilà, les Islandais, 0 point pour l'Eurovision de la ferme à 100 des juments. Et puis, bonne nouvelle quand même, dans le canard à nanar, hein, c'est le Parisien, là, pardon. Hop, c'est les Échos. Le rachat d'actions va vers un record à plus de 1000 milliards. Alors, comme l'argent est gratuit, voire même il rapporte, hein, quand t'es riche, en ce moment, vu que les banques centrales sont en train de tout faire pour que l'inflation pète à la gueule des pauvres, mais que la dette des riches soit pas dévaluée, donc c'est le moment de racheter des actions. Comme ça, avec ta fausse dette, avec ton bon argent magique, tu rachètes tes belles actions à toi et tu te fais un petit trésor de guerre grâce aux banques centrales. Et puis t'expliques après que bah non, c'est plus cher l'iPhone parce qu'il y a l'inflation, vous comprenez, c'est compliqué. Mais comme Tugdual Denis dit, hein, tous les gamins, ils ont des iPhones à 1000 balles dans leur poche. Tous les gamins de ton quartier, de ton compound de riches. Oui, peut-être, oui. Non, parce que non, c'est pas comme ça que ça se passe dans ce pays. Mais voilà, mais ils sont fous, tout va bien. Les vigiles de la RATP m'ont agressé il y a quelques années. Les gens se sont regroupés autour de nous et du coup, ils m'ont embarqué une nuit au poste 15 jours après. Ah, c'est fou cette histoire. Ils avaient aussi agressé un handicapé. Putain, Hypatie d'Alexandrie, c'est incroyable ce témoignage. Mais ça m'étonne pas. De toute façon, les mecs, ils se pensent qu'il y a une impunité, quoi. Dès que t'es déguisé en Robocop, tu te dis « Allez !» Non, faut leur dire. Enlève ça, t'es ridicule. Franchement, je te le dis parce que je suis un ami, mais enlève ce déguisement. Hein. C'est pas Halloween. Mais non, mais j'y vais, c'est pour le maintien de l'ordre. Ah ouais, ouais. Mais non, il est mal fait, ton déguisement de troopers. Vraiment, c'est tout pété. Ouais. Tugdual Denis, le nom de l'autre tocard. Ouais, tous les gosses ont des iPhones à 1000 euros. Pardon ? Et après, ils te disent, non, mais vous connaissez pas la réalité des Français, hein. C'est après, les mecs, ils font des campagnes pour aller voir la France. Bonjour, comment ça se passe alors, que votre costume là, pourquoi t'as pas acheté de costume? Ah, vous mettez pas de costume, vous? Ah bon? Mais vous avez pas de travail non plus? Bah oui, bah faut pas se plaindre non plus. Pas de costume, pas de travail, ça me paraît simple pourtant, l'équation me paraît simple. Hein? Et plus le costume est cher, plus vous êtes mieux payé en fait. Il faut s'acheter un costume très cher, c'est la base de tout. D'abord s'acheter un costume très cher avant d'avoir un travail très bien payé. Voilà, c'est comme ça qu'ils réfléchissent, ces mecs-là. Ils sont nés avec une cuillère en or dans la bouche, ils savent même pas ce que c'est que travailler. Et les mecs, ils passent leur temps à te faire des leçons pour dire non, mais ils réfléchissent. Hein. Ouais, on a un plan formation, on va donc offrir des costumes. Et d'ailleurs, c'est ça, le SNU, le Service National Unifié Macroniste, là, les jeunes, ils leur offrent tout de suite, hein, un costume de vigile. Comme ça, t'es déjà vigile, t'es avec ton petit logo SNU et tout, t'as ton petit polo et tout. Hop, on habille les jeunes en vigile, comme ça ils ont déjà un emploi de vigile de la Macronie.
C'est vachement bien foutu. Ils vont avoir chaud, ils vont avoir chaud, ils vont être comme ça, ils vont pas voir ce qui se passe derrière et tout. C'est, ça va être n'importe quoi, je pense, la Guadeloupe, là, ce qui va se passer. Je pense que ça va être n'importe quoi. Cours de cravate pour tout le monde, hop, 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 chocolatine pour tout le monde. Donc voilà, donc là c'est quand même un record d'action, donc je tiens à saluer hein, les actionnaires, eux ont tout compris, les révolutionnaires moins, donc bravo, bravo, vous avez fait le bon choix. Et puis malgré un taux d'emploi record, la France conserve un chômage de masse encore raté, malgré les mensonges d'Elisabeth Borne qui disait non mais il y a moins de chômage, non, il y a des gens qui se désinscrivent de Pôle emploi, qui se barrent en fait, parce qu'ils savent que ça sert plus à rien. Ils savent aussi qu'ils vont avoir des emplois précaires, qu'il faudra 6 mois pour avoir une indemnité chômage. Et donc, en fait, il y a un taux d'emploi, ça marche bien, mais il y a quand même un chômage de masse. C'est étonnant, non ? Bah non, en fait, c'est le système. Sans chômage de masse, il n'y a plus de, salaire de merde. Donc, il faut tenir la peur. Hein. Il faut tenir la résilience. Écoute, Michel, c'est bien. Hein, tu vois, toi, c'est bien. Tu es de moins en moins payé, mais tu conserves ton emploi. Tu es résilient. Si jamais tu l'ouvres, tu sais que tu vas te retrouver au chômage. Et au chômage, tu sais que tu n'auras pas d'allocation. Et pourtant, ça fait 40 ans que tu cotises, hein, Michel. Mais bon, tu comprends qu'à un moment, la société ne peut pas se permettre d'avoir autant d'assistés. On peut éventuellement se permettre d'assister Pénélope Fillon. Parce qu'elle, elle fait vraiment du bon faux travail. Mais tous les vrais chômeurs, tu vois, qui existent, on ne peut pas, ils sont trop nombreux. Donc on peut se démerder pour choper 1 million pour un emploi fictif, pour une personne. Mais 1 million pour indemniser 1000 personnes, c'est beaucoup trop, tu comprends, Michel ? Donc il faut que tu travailles. Oui, et tu vas être payé 20% de moins cette année, mais c'est aussi les chiffres de l'entreprise. On s'adapte, tu comprends ? Si jamais on faisait pas ça, on serait obligé de se séparer de toi, tu comprends ? Oui. Oui, tu es syndiqué, c'est pour ça d'ailleurs que tu n'as pas eu d'évolution salariale dans ta carrière, parce que tu es syndiqué. Mais c'est ton choix, ça, Michel, écoute. Oui, je sais, ouais, la démocratie en entreprise. Et puis quoi encore ? Voilà, ça, c'est ce monde de merde dans lequel nous vivons, que quotidiennement, nous décortiquons ici, dans la revue de presse du Monde Moderne. Vous savez maintenant, c'est à 9h ou presque, tous les matins ou presque, vous êtes de plus en plus nombreux, et ça, ça fait chaud au cœur. J'espère qu'à Noël, on va être 1000 tous les matins, à peu près. Si on continue sur cette lancée incroyable, je pense que c'est tout à fait jouable. C'est un rendez-vous qui, j'espère, va devenir incontournable. Au-delà des pastilles du week-end où je gueule, vous voyez qu'on rigole quand même le matin avec ces nouvelles tristes de la presse d'oligarques. Ça nous permet aussi de relativiser hein, tout ça. C'est un cirque triste. Il nous suffirait simplement de s'unir, de faire une grande chaîne d'union, une grande marche avec des petites pancartes pour dire « ça suffit ». Non, non, c'est pas comme ça que ça va marcher. C'est bien, j'ai rien contre les marches, mais non, il va falloir voter, il va falloir s'organiser réellement avec les syndicats, notamment des vrais syndicats, hein, ceux en Guadeloupe par exemple, qui appellent à la grève générale. Voilà, c'est comme ça que ça va s'arrêter la société de maltraitance. Sinon, elle va continuer très 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 longtemps avec en plus, vous savez quoi ? Dis merci parce que tu as ta dose de vaccin qui te permet de rester en vie. Hein. Parce que sinon, attention, hein, pas de vaccin, donc tu vas tomber mal, donc tu vas peut-être mourir parce qu'il n'y a plus l'hôpital. Parce qu'ils vont remplacer l'hôpital par la vaccination. Très simple. Ils disent, oui, mais ça marche mieux l'hôpital quand il y a des gens pour soigner. Ta gueule. Tu prends ton vaccin et tu te tais. Et ils soignent aussi. Ah bon ? Tais-toi. Je vous remercie d'avoir été aussi... Ah oui, Michel Simès aussi, j'ai oublié d'en parler. Bordel, Michel Simès. Alors lui, il était génial. Hein. On va pas faire chier pour une grippette. Ça, c'était au début. Après, il dit, oh putain, c'est super grave, attention. Puis là, il fait, j'ai été doublement vacciné, j'ai chopé le Covid. Comme tout le monde, comme beaucoup de gens, pardon. Ah oui, mais dis, mais c'est pas grave, je refais quand même ma troisième dose, faut pas déconner. C'est une campagne hein, pour inciter les gens qui douteraient encore qu'il faut bien la troisième dose. Sinon, attention, 2 doses, c'est l'assurance de choper le Covid. Alors que c'était de l'assurance d'être quand même... Mais là, les mecs, ils savaient... J'en peux plus en réalité. Hein. Vous savez que c'est... Plus ça va être n'importe quoi, plus ça va être drôle, évidemment. Plus on va nous taxer de... De tous les termes possibles du dictionnaire, y compris IL. Et Simès, bah, un des meilleurs. Mais ces mecs-là, ils ont plateau ouvert, micro ouvert pour raconter toutes les conneries qu'ils veulent. C'est formidable. N'hésitez pas, ici, on a aussi micro ouvert. C'est la revue de presse du Monde Moderne. C'est tous les matins à 9h. Vous pouvez vous abonner via Prime ou bien nous suivre sur Patreon, sur tous nos réseaux sociaux, en faire la promotion sur tous vos réseaux également.
Et puis, j'espère, une fois cette folie passée, qu'on se retrouvera dans des salles de spectacle ou ailleurs, parce que ce serait bien aussi de faire un live autre que derrière une caméra, mais au moins tous les matins, ça permet d'être devant vous, d'échanger et de se marrer comme ça. Et Steve Jobs a gagné, bah, il est mort, ouais. Qui peut croire encore à toute leur... Bah, un paquet, visiblement, il y a encore des gens qui pensent que ils gèrent d'une manière phénoménale. Il y a encore des gens qui y croient aussi. Hein, tu te dis, ah ouais. Pourtant, tu regardes le truc, tu te dis, à un moment, comment tu peux encore avoir confiance, quoi ? Comment tu peux encore... Ce que je disais à Gabriel Attal tout à l'heure au début, hein, arrête, tu perds ton temps, tu nous fais perdre notre temps. Et le temps, c'est de l'argent. Hein. Et l'argent, ça, c'est capitaliste. Et on a autre chose à foutre que d'écouter de toi raconter n'importe quoi. Puisque dans la même phrase, il dit, il y a des choses très graves et des choses très rassurantes dans ce qui se passe. On pourrait confiner, mais on ne va pas confiner, en fait. Ok, je pourrais dire n'importe quoi et je pourrais dire aussi des trucs vrais. Mais en fait, bon, bah non, mais c'est super. Et puis voilà, le programme de la France Insoumise qui s'est arraché comme des petits pains ce week-end. 3 euros le programme. C'est le numéro 1 des ventes des pamphlets politiques. Voilà, comme ça, ceux qui disent « je sais pas ce qu'il y a dans le programme », si vous êtes de gauche et que vous dites « ah, j'aime pas Mélenchon parce qu'il gueule et tout », mais vous pouvez lire le programme de l'Avenir en commun et voir si des fois, toutes les idées, des fois défendues par Jadot ou quoi, viendraient pas de là, hein, des fois, hein. Et que l'union de la gauche se ferait pas autour de cette plateforme commune qu'on appelle l'avenir. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Allez, je vous souhaite un bon lundi. Merci d'avoir été aussi nombreux. N'hésitez pas à nous suivre et à parler longtemps après de cette revue de presse. Vous avez gagné, là, en une heure et demie, des heures et des heures à perdre votre temps sur Twitter. Vous pouvez retrouver une vie normale, éteindre votre télévision, ça, comme disaient les guignols. Vous pouvez fermer votre ordinateur et bon courage à vous tous. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. À demain. Ciao.